La question que nous posons dans cette table ronde, la question des frontières de la fiction, elle se pose en partie à cause de ce que nous observons, qui est l'extension du domaine de la fiction, pour paraphraser le titre d'un roman de Houellebecq. Extension du domaine de la fiction qu'on constate à la fois, disons, sur le plan pratique et aussi sur le plan théorique. Sur le plan pratique, il y a l'omniprésence de ce qu'on appelle la communication, le storytelling, qui fait que la réalité est sans cesse mise en scène et que souvent la mise en scène devient réalité. Donc il y a une sorte d'impression d'une indiscernabilité de la réalité et de la fiction. Mais sur le plan théorique, qui nous concerne plus particulièrement en tant que les chercheurs que nous sommes, sur le plan théorique, dans plusieurs disciplines, notamment les trois disciplines qui sont représentées aujourd'hui, les trois disciplines, c'est l'histoire, la théorie littéraire et la philosophie. Donc, dans ces disciplines, se fait sentir la tentation du panfictionnalisme. Là, j'utilise un terme qui vient de la théorie littéraire. C'est-à-dire l'idée que tout serait fiction, ou tout au moins que tout discours serait fictionnel à quelque degré. Alors, ces développements, les deux types de développements que je viens d'évoquer, appellent évidemment un retour sur la question fondamentale de savoir ce qu'est la fiction, comment on distingue la fiction de la non-fiction, c'est-à-dire la question du critère de démarcation. Et pour donner un exemple, le récit trumpiste du vol de l'élection présidentielle américaine, est-ce que c'est de la fiction ? On a peut-être envie de dire que par certains aspects, c'en est, mais c'est certain que si on prend fiction dans un sens raisonnablement étroit et qu'on a en tête Madame Bovary, c'est assez différent, je reviendrai dans un instant. Mais la question n'est pas si facile. Il y a une autre question qui est un peu plus difficile, qui est celle de savoir si les mythes, est-ce que le mythe, c'est de la fiction ? Je dis c'est plus difficile parce que le mythe, ça ressemble beaucoup à la fiction. Et effectivement, quand on consulte l'entrée mythe dans Wikipédia, on apprend qu'il y a quatre sortes de récits fictionnels, que sont les mythes, les légendes, les contes et les romans. C'est ce que dit l'entrée en question. Vous connaissez tous le titre fameux d'un livre de Paul Venn, Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ? Excellente question à laquelle Paul Venn lui-même répond notamment en invoquant ce qu'il appelle la pluralité des programmes de vérité. Et aussi le fait qu'il y ait une sorte de continuum entre, par exemple, l'histoire et la fiction. Ce sont des thèmes sur lesquels, évidemment, on reviendra. L'année d'avant, le livre de Paul Venn est paru le deuxième livre d'anthropologie de Dan Sperber, qui, dès le premier, posait à peu près la même question. Et il répondait lui-même d'une façon peut-être analogue. Enfin, il ne parlait pas, lui, de pluralité de programmes de vérité, parce qu'il récuse toute forme de relativisme. Mais en revanche, il évoquait une distinction entre différents régimes de croyance, différents modes de croyance. La croyance dans la transsubstantiation, par exemple, ce n'était pas l'exemple que lui donnait. Lui donnait la croyance dans l'existence de créatures fabuleuses postulées par la tradition. Il mentionnait le fait que, à l'époque où il faisait son terrain chez les Dorsey, il avait été interpellé parce qu'on voulait son aide pour aller tuer un dragon. Et donc, la croyance dans l'existence des dragons était une des choses dont il parlait. Et il dit que ce genre de croyance, c'est quelque chose de fondamentalement différent de la croyance au sens ordinaire, de la croyance intuitive. Et son effort a visé à analyser ce type de croyance très spécifique. Donc tout ça, ce sont des avancées et des distinctions très importantes. Mais ce qui me semble distinctif de la fiction, entendu en un sens raisonnablement étroit, ce qui me paraît distinctif de la fiction, c'est le fait que ceux qui lisent
un livre de fiction ou ceux qui voient un film, ils savent que c'est de la fiction. C'est fondamental. S'ils ne le savent pas, ce n'est pas vraiment de la fiction. En tout cas, pour eux, ce n'est pas de la fiction. Donc, ils n'y croient pas. L'attitude pertinente ici, ce n'est pas la croyance, c'est l'imagination. Et on voit bien là la différence avec l'exemple dont je suis parti, le cas du vol de l'élection présidentielle américaine, parce que ça, c'est évident que les Trumpistes y croient. Je dirais même qu'ils y croient dur comme fer. Tout comme les sectateurs du professeur Raoult croient au pouvoir de l'hydroxychloroquine dans la lutte contre le Covid-19. Donc, ce n'est pas du tout de même nature. Cependant, cela étant dit, il faut préciser que l'imagination n'est pas non plus une attitude mentale sur le même plan que la croyance, quand on les met en balance. Disons, quand on dit que pour caractériser la fiction, c'est d'imagination qu'il faut parler et non pas de croyance. L'imagination n'est pas une attitude mentale sur le même plan que la croyance. Le lecteur d'un texte de fiction fait comme si on lui rapportait les faits et gestes de personnages réels. Il se met dans la disposition mentale de quelqu'un à qui est transmis un témoignage authentique. Autrement dit, l'imagination, ici, simule la croyance. Cette disposition à faire comme si c'était vraiment une information qui était communiquée par le texte dont on sait pourtant que c'est de la fiction, cette disposition explique que la fiction engendre des émotions. Alors même qu'on sait que les personnages vis-à-vis desquels on ressent ces émotions n'existent pas. Et ça, bien sûr, le fait que cela suffise de faire comme si pour ressentir les émotions, évidemment, c'est un grand mystère. Y a là ce que beaucoup ont appelé un paradoxe, le paradoxe de la fiction. Ce paradoxe ou ce mystère, c'est ce que vise à résoudre la théorie de la simulation, qui est une théorie développée par les philosophes de l'esprit et les psychologues, une théorie ambitieuse qui installe le faire comme si au cœur de la cognition humaine. Et on retrouve là, c'est une surprise, par ce détour, on retrouve en quelque sorte le panfictionnalisme. Dans simulation, on peut entendre similarité, similitude. L'idée étant que l'état mental d'un lecteur d'un texte de fiction est analogue ou comparable à celui d'une personne à qui sont transmises de véritables informations sur le monde. La similarité consiste en ceci que, enfin, c'est une question ouverte de savoir en quoi exactement elle consiste, mais il me semble qu'elle consiste principalement en ceci que le lecteur intègre les informations, ou pseudo-informations en l'occurrence, que lui fournit le texte au sein d'une représentation globale et cohérente de l'univers fictionnel auquel il est confronté. Exactement comme dans la communication ordinaire, le sujet intègre les informations qu'on lui fournit de façon à enrichir sa représentation du monde, son encyclopédie mentale, si vous voulez. Donc ça, c'est l'élément commun. Et la différence entre la réalité et la simulation, c'est que la représentation du monde, c'est-à-dire du monde réel ou supposé tel, que le sujet met à jour en permanence, sur la base de son expérience propre et aussi de la communication avec autrui, cette représentation du monde, de la réalité, est ce qui guide son comportement dans le monde. C'est la boussole qu'utilisent les gens. Ont une certaine représentation, des croyances, des connaissances sur le monde, et c'est ce qu'ils utilisent pour naviguer, pour adopter le bon comportement dans les situations qu'ils rencontrent. Ce que nous faisons dépend de ce que nous croyons. C'est le lien fondamental. Si le sujet consulte la météo et attire l'information qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire grand vent, comme c'était prédit pour aujourd'hui, il adapte son comportement en prenant un parapluie ou éventuellement en n'en prenant pas, dans les cas où, comme celui que je viens de mentionner. Mais le sujet qui acquiert une information fictionnelle ne se fonde pas sur elle pour agir. C'est l'élément également fondamental, parce qu'il sait qu'elle est fictionnelle. Donc il y a une déconnexion par rapport au système de l'action. L'information fictionnelle sert à nourrir une représentation du monde qui n'est pas la représentation du monde. Par la représentation du monde, je veux dire celle que le sujet utilise en permanence pour guider son comportement, celle qui est connectée, qui est en prise avec le système de l'action.
Donc, il utilise cette information non pas pour nourrir la représentation du monde, celle qui est connectée, qui lui sert à guider son comportement, mais pour nourrir une représentation parallèle et secondaire qui, elle, est déconnectée et qui correspond à l'univers fictionnel distingué de l'univers réel. Cette représentation-là, la représentation secondaire, déconnectée, elle occupe en quelque sorte un compartiment séparé. Elle est à part. Alors, le phénomène de compartimentation dont je viens de parler, un phénomène qui est connu depuis longtemps des psychologues, il va au-delà de la fiction entendue dans un sens étroit. Et pour donner un seul exemple, donc un seul exemple, il y en a beaucoup, la supposition est un phénomène, une opération intellectuelle plutôt, qui fonctionne de la même façon. Lorsque vous supposez quelque chose, vous faites comme si vous admettiez cette chose et vous en tirez les conséquences. Les conséquences sont déduites de façon conditionnelle, c'est-à-dire sous l'hypothèse. La déduction en question simule la déduction que vous feriez effectivement ou que vous pourriez faire si vous acceptiez réellement la prémisse initiale. On fait comme si cette prémisse était vraie pour voir ce qui s'ensuit, mais la conséquence n'est pas intégrée à la représentation primaire, la représentation, celle qui est connectée, comme je disais, pas plus que ne l'est la prémisse initiale, c'est-à-dire la supposition. Tout ce qu'on peut intégrer à la représentation primaire, c'est que la conséquence suit de la prémisse, mais c'est tout. Bien. Cette idée que la fiction sollicite donc l'imagination, laquelle est une attitude de second ordre qui simule la connaissance, alors que la non-fiction vise directement la connaissance, vise à transmettre la connaissance, cette idée, comme on pourrait dire aussi, d'une dépendance asymétrique de la fiction par rapport à la non-fiction, cette idée me paraît très importante, mais elle est en butte à des critiques. Et dans la littérature récente sur ces sujets, beaucoup la rejettent. Et je donnerai seulement l'exemple d'un philosophe spécialiste de l'esthétique et de ces questions de fiction, Derek Matraverse, qui, dans un livre récent, oppose la représentation et la confrontation. Lorsqu'il y a confrontation, par exemple dans la perception, vous avez un ours devant vous. Dans ces cas-là, nous faisons directement l'expérience d'une situation à laquelle nous pouvons réagir de façon immédiate. Mais souvent, dit-il, ce qui nous est donné n'est pas directement une situation à laquelle nous sommes confrontés, mais la représentation d'une situation. Par exemple, quand nous lisons un article de journal, la situation qu'il décrit est représentée, mais nous n'en faisons pas directement l'expérience. C'est même le cas aussi quand on regarde la télévision, bien que ce soit un cas délicat, souvent discuté par les philosophes. Pour comprendre une représentation, nous devons bâtir un modèle mental de la situation représentée. Et nous faisons cela que la représentation soit fictionnelle ou qu'elle ne le soit pas. Si cette construction d'un modèle mental est ce qu'on appelle imagination, alors l'imagination est impliquée dans la compréhension d'un texte journalistique tout autant que dans la compréhension d'un texte de fiction. Donc, Matraverse rejette l'idée que ce qui distingue la fiction de la non-fiction, c'est le fait que la fiction vise à induire l'imagination conçue comme la simulation de l'état mental que vise à induire la non-fiction, puisque pour lui, la fiction et la non-fiction impliquent toutes deux l'imagination. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, évidemment. Mais la différence, selon lui, intervient dans un deuxième temps. Lorsque le texte vise à transmettre une information, c'est-à-dire les cas de non-fiction, le but du locuteur est que l'auditeur tienne pour vrai cette information et l'intègre à son encyclopédie mentale. Évidemment, il y a des conditions qui doivent être remplies pour ça. Il faut que le destinataire reconnaisse l'autorité du locuteur sur ce dont il parle, aussi bien sa fiabilité et sa sincérité. Mais le point important, c'est que lorsque le texte est fictionnel et ne vise pas à transmettre une information, le destinataire se représente et donc imagine la situation que le texte décrit, tout comme dans le premier cas, mais là, il s'arrête là dans la fiction. Il ne va pas au-delà, il n'y a pas cette deuxième étape qui consiste à accepter ou à ne pas accepter la réalité de la situation décrite. On s'arrête à la première étape. Et selon Matraverse, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ça la différence entre les deux types de cas. Et donc, pour résumer les deux positions en présence dans ce débat qui a lieu chez les philosophes, selon les simulationnistes, on peut les appeler les simulationnistes, l'attitude que l'on est censé adopter face à un récit fictionnel consiste à faire comme si on nous transmettait une connaissance. Et c'est donc la connaissance, ou peut-être la croyance, qui est la notion première sur le plan conceptuel. L'imagination fictionnelle est la simulation de cette attitude épistémique. Mais pour Matraverse et ceux qui le suivent,
C'est l'imagination qui est la notion première. Dans la communication ordinaire non fictionnelle, le destinataire se représente et donc imagine la situation décrite, et dans un deuxième temps, il accepte ou non la réalité de cette situation. Et c'est l'acceptation de ce qui est dit qui transforme à la deuxième étape l'imagination en croyance, ou si on veut, ou le cas échéant, en connaissance. Transformation qui n'a pas lieu dans le cas de la fiction. La question qui m'intéresse le plus dans ce secteur, disons, dans ce débat, c'est la question de savoir si on peut réconcilier ces deux perspectives sur la fiction, dont je viens de montrer qu'elles sont directement opposées. Et je réponds à cela, j'espère bien que oui, qu'on peut les réconcilier, parce que je défends moi-même la position simulationniste, mais d'un autre côté, je suis entièrement d'accord avec l'idée que la compréhension d'un texte tel qu'il soit, et ça s'applique aussi à des choses qui ne sont pas des textes, mais la parole quotidienne, la compréhension d'un texte tel qu'il soit fait toujours et nécessairement appel à l'imagination, chose très importante. Alors, comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux perspectives, si on veut tenir en quelque sorte les deux bouts ? Eh bien, je ne vais pas vous le dire ici, parce que je suis presque venu à bout des 15 minutes que nous nous sommes auto-impartis pour ces petites interventions qui vont ponctuer cette table ronde. Je ne vais pas répondre ici. J'essaierai de répondre dans les séances à venir de mon cours de cette année qui porte justement sur ces questions. L'intitulé général est précisément « Fiction, simulation, faire comme si ». Aujourd'hui, sur cette même thématique générale, nous allons entendre les réflexions de 5 professeurs représentant 3 disciplines distinctes, comme je le disais tout à l'heure. Et je les remercie très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation à participer à cette conversation dont j'espère qu'elle sera instructive, donc conversation sur les frontières de la fiction. Je remercie particulièrement Françoise Lavocat, l'une des 5, qui a accepté d'endosser le rôle de modératrice et à qui donc je laisserai le soin de présenter les autres participants dans une seconde. Elle-même est une spécialiste bien connue de la fiction et elle préside la Société internationale des recherches sur la fiction et la fictionnalité, dont le deuxième colloque international doit avoir lieu à Chicago la semaine prochaine. Elle est professeure de littérature comparée à l'Université Sorbonne Nouvelle et a écrit beaucoup sur les questions qui nous occupent, et en particulier un livre dont le titre est presque celui de notre table ronde, « Fait et fiction pour une frontière ». Cela dit, ce n'est pas son dernier livre, c'est un livre récent, mais son dernier livre, c'est « Les personnages rêvent aussi », c'est ça ? En tout cas, je lui laisse la parole sans attendre. Merci. Le 7 octobre 2017, au cours d'une nuit dite blanche, eut lieu dans la salle d'apparat de la mairie de Paris un procès fictif, le procès de la fiction. C'était en tout cas ainsi qu'était appelée une joute oratoire qui a opposé une nuit durant deux groupes, ceux qui défendaient les frontières de la fiction, j'en étais, ainsi qu'un des philosophes présents à cette table, et ceux, au contraire, qui voulaient les abattre ou en nier l'existence. Et le jury devait déclarer des vainqueurs. La salle était comble, et au volume des applaudissements, il me semble que ce sont les opposants à la frontière qui ont gagné. Le lyrisme de Camille de Toledo avait produit beaucoup d'effets. Charitablement, le jury déclara ex aequo les belligérants, mais j'en avais déduit que les frontières, même aussi métaphoriques que celles de la fiction, n'étaient pas très populaires. Alors peut-être que ce colloque va prouver l'inverse ou va déclencher l'inverse. En tout cas, j'avais eu le plus grand mal à imposer au seuil comme sous-titre de mon livre « Pour une frontière ». Et il est vrai que ce sous-titre m'a valu, chez un commentateur rapide et malveillant, d'être comparé à un agent de police. La question des frontières de la fiction n'est cependant pas toute neuve. Si l'on consulte le logiciel Ngram, qui mesure la fréquence de l'utilisation d'un mot ou d'un groupe de mots dans le corpus Google Books, à peu près 5 millions de livres, 4% de la littérature jamais publiée, on apprend que l'expression « borders of fiction » a fait florès dès le XIXe siècle et puis a été beaucoup utilisée à partir des années 50 dans le domaine anglo-saxon.
en français, frontière de la fiction, l'expression, l'emploi de frontière de la fiction, augmente à partir des années 60 et surtout après 2000. Cela suggère que le sujet a d'abord été traité en langue anglaise. Les théoriciens de la fiction sont plus, d'ailleurs pour la plupart des Européens ayant émigré aux États-Unis au cours du XXe siècle, montre aussi que ce débat date d'une cinquantaine d'années, mais qu'il est devenu beaucoup plus vif, en particulier en France, depuis deux décennies. Pourquoi alors le reposer aujourd'hui ? Bon, sans doute, François Recanati vient de le dire très bien, parce que plusieurs questions ne sont pas réglées. Il n'est tout d'abord même pas sûr qu'il y ait unanimité sur le sens du mot « fiction ». Jacques Rancière, dans « Les bords de la fiction » en 2016, l'envisage comme synonyme de fabrication, ce qui rend la question des frontières caduque. En admettant que nous soyons ici tous d'accord sur l'existence d'une différence entre fait et fiction, il n'est pas certain, en revanche, que nous soyons d'accord sur le fait qu'il faille l'envisager de façon ontologique, logique, pragmatique, ce qui implique des différences du point de vue, notamment des critères internes de fictionnalité. Dans les années 80-90, le débat portait beaucoup sur la question de savoir s'il fallait considérer les frontières de la fiction comme clairement délimitées, intangibles, ou au contraire, en termes de degré et en acceptant une zone d'indétermination. Thomas Pavel opposait attitude ségrégationniste et intégrationniste, en les appelant comme ça, évidemment, il préférait les intégrationnistes, et Marie-Laure Ryan parlait de frontières digitales ou analogiques. Alors, où en est-on aujourd'hui dans le débat ? Et dans le débat dont vient parler François Recanati, a-t-il un lien avec cette tradition critique ou pas ? Ensuite, si la question des frontières de la fiction se pose encore, c'est parce que les pratiques et les usages de la fiction changent, ce qui jette éventuellement un trouble sur des distinctions plus ou moins acquises. Des phénomènes sociétaux, des inventions technologiques, des innovations culturelles et artistiques ne sont pas sans incidence sur la façon dont le public, les usagers, les lecteurs, les spectateurs perçoivent la différence entre documents, histoire, fiction, fiction, mensonge, et ce qui n'est pas la même chose, mais interfère beaucoup dans le débat, réalité et imagination. En voici trois exemples. Même si on n'est pas obligé de croire Paul Horner, grand pourvoyeur de fake news, accusé même d'avoir favorisé par son entreprise l'élection de Donald Trump, quand il affirme avoir en fait produit des fictions satiriques, n'y a-t-il vraiment aucun rapport entre fiction et fake news, fiction et bullshit. À l'heure où on nous annonce une immersion collective sans précédent dans les métavers, l'attrait de la fiction est-il assimilable à celui des univers virtuels ? Enfin, l'habitude à chercher et à vérifier toute information sur Internet nous rend-elle plus aptes à distinguer fait et fiction ou au contraire, en érode-t-elle les différences ? Les philosophes, historiens et littéraires qui sont réunis ici vont peut-être pas répondre à toutes ces questions, mais éclaireront les aspects du débat sous sa forme actuelle, à partir des disciplines et des points de vue différents qui sont les leurs. Alors, nous entendrons successivement William Marx, qui est professeur de littérature comparée au Collège de France, qui a écrit de nombreux ouvrages. Il s'intéresse à l'histoire de la littérature et de la critique. Il défend une certaine idée de la littérature dans l'adieu à la littérature, histoire d'une dévalorisation en 2005, la haine de la littérature en 2015, la vie du lettré en 2009 qui obtint le prix Montyon de l'Académie française et tout dernièrement un ouvrage qui n'est pas sans rapport avec la question qui nous occupe aujourd'hui, des étoiles nouvelles quand la littérature découvre le monde en 2021. Pascal Engel, spécialiste de la philosophie du langage et de la connaissance, a enseigné à l'Université de Genève et directeur d'études à l'EHESS. Il s'intéresse à la littérature et il participe par de nombreux articles scientifiques et journalistiques au débat public sur des questions qui touchent aux normes du vrai et à leur importance dans la démocratie. Ses deux derniers livres sont « Les vices du savoir » en 2019 et « Manuel rationaliste de survie »
en 2020. Un débat de 25 minutes suivra leurs interventions d'un quart d'heure, puis nous ferons une pause de 10 minutes. Nous entendrons ensuite Patrick Boucheron, historien, spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance, professeur au Collège de France. Il s'intéresse à l'histoire globale. Il a notamment publié « Pour une histoire monde » avec Nicolas Delalande en 2013. Il s'intéresse à l'écriture de l'histoire, avec notamment « Faire profession d'historien » en 2010, et au rapport entre fiction et politique, auquel il a consacré 2 ans de cours au Collège. Il a récemment publié « Un été avec Machiavel » en 2017, et « La trace et Laura, vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle » en 2019. Stacy Friend est professeur de philosophie à l'Université de Londres, président de la Société britannique d'esthétique, et a conduit pendant 3 ans, avec Gregory Curry et Heather Ferguson, un projet intitulé « Learning from Fiction ». Elle est responsable de la revue de philosophie Analysis. Elle s'intéresse en particulier au rapport entre fiction, émotion et croyance et a publié de nombreux articles sur ces sujets. Elle est actuellement professeure invitée au Collège de France. Je prendrai ensuite brièvement la parole et ces interventions seront suivies de 45 minutes de débat qui porteront sur ces 3 communications, mais aussi sur l'ensemble des interventions. Dans la deuxième partie du débat, des intervenants répondront aussi aux questions de la salle. Je laisse donc maintenant la parole à William Marx. Merci, chère Françoise, pour cette présentation et merci, François, pour l'invitation à cette réflexion sur un débat où, malgré tout, je dois avouer que, même en tant que littéraire, je suis un peu un néophyte, je dois dire. Cette question-là, je ne me la pose pas, je ne me la posais pas avant, il y a quelques années, depuis que, comme l'a dit Françoise, cette question est devenue plus à la mode. Et maintenant, on est plus facilement interrogé, plus souvent interrogé sur cette question des frontières de la fiction, du rapport entre fiction et vérité. Je suis content que la question, cette fois-ci, soit posée sous la forme des frontières de la fiction. Même si je ne suis pas tout à fait sûr de savoir ce que sont que des frontières, pourquoi vaudrait-on qu'il y ait des frontières? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à des attentes, en fait, hein, entre un domaine qui serait extérieur et quel serait ce domaine extérieur? Et peut-être que mon intervention va essayer aussi de réfléchir là-dessus. Et puis la question de la fiction est une question qui, en tant qu'historien de la littérature, puisque c'est ce que je suis, m'a... pour le coup, évoque surtout en moi l'idée que la fiction est une notion qui est construite historiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, hein, mais ça veut dire qu'il y a une historicité, hein, de la notion de fiction. Les choses doivent être très, 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 très claires. Et peut-être que, avant de définir ce qu'est la fiction, ce que personne pour l'instant n'a essayé de faire, je crois qu'on peut dire simplement que, historiquement, la fiction, c'est une sorte de complication de l'opposition entre un discours qui dit le vrai et un discours qui dirait le faux. Voilà. Il y a une complication. Il y a cette opposition qui serait l'opposition de base, et la fiction vient introduire justement une frontière. Elle vient troubler la frontière. C'est pour ça que je suis un peu gêné par l'idée de mettre une frontière de la fiction, parce que justement, la fiction est elle-même la frontière entre deux choses, hein, qui sont a priori, du point de vue de la définition de la vérité, comme la coïncidence d'un contenu de discours avec ce qu'il y a dans le réel, a priori, justement, la fiction vient troubler les choses. Donc, parler de frontière, de quelque chose qui est déjà une frontière, bah, ça me paraît déjà un petit peu étrange, et en tout cas, ça rend le problème extrêmement vertigineux pour moi. Et je n'ai pas vraiment de solution à vous apporter, je vous le dis tout de suite, hein. Qu'il n'y ait pas de fausse attente à ce sujet. Par exemple, pour Platon, je ne vais pas faire une grande histoire comme ça, mais il semble qu'il n'y ait pas de concept à proprement parler de fiction. Hein, c'est-à-dire que quand, dans la République, les poètes sont exilés de la cité idéale par Socrate, bon, c'est parce que les poètes tiendraient un discours faux sur les dieux.
Et donc, il n'y a pas l'idée, a priori, en tout cas, il n'y a pas le concept de fiction. Il y a l'opposition entre un discours faux et un discours vrai sur les dieux. Alors, on pourra dire, comme là, du reste, plus ou moins, il y a plus ou moins fait allusion François Recanati tout à l'heure, à savoir que l'utilisation du mythe par Platon présuppose déjà quelque chose de l'ordre d'une notion de fiction, mais qui, à ma connaissance, n'est pas vraiment conceptualisée telle qu'elle. Pour Platon, disons, les discours des poètes sont du mensonge, point. Voilà. Il n'y a pas de fiction au sens fiction, ce qui serait un discours qui n'énonce pas le vrai, mais dont on sait pertinemment qu'il n'énonce pas le vrai, parce que, en fonction des genres littéraires, du contexte social, culturel, le lecteur, l'auditeur, sait que ce discours n'énonce pas le vrai. Donc il n'y a pas tromperie. Voilà, c'est ça l'idée. Enfin, c'est comme ça qu'on peut définir cette fiction comme troublant le jeu, troublant la frontière entre le vrai et le discours véridique, et le discours mensonger. Mais bon, dans la République de Platon, il n'y a pas ce concept-là. Chez Aristote, alors là, c'est encore autre chose, hein, on passe du maître au disciple, mais c'est une toute autre conception. Et il semble que il n'y a pas le mot pour fiction, mais il semble que déjà les idées y soient totalement, avec l'idée que le discours fictif provoque un plaisir de la reconnaissance de la réalité, hein, parce que la fiction provoque, en gros, modéliserait la réalité d'une certaine manière, et donc il y a un plaisir cognitif de la reconnaissance. Hein, et puis il y a aussi un plaisir, alors qu'il y a un plaisir cathartique, mais un plaisir lié aux émotions, et ces émotions-là sont considérées positivement par Aristote. Mais j'arrête ici sur la vision aristotélicienne, mais il semble qu'Aristote est beaucoup plus près de ce que nous considérons, nous, de ce que nous appelons fiction. Mais je ne fais pas ici un cours d'histoire de la philosophie, il y a des gens plus compétents que moi sur ce sujet. Ce que je voudrais dire, c'est que donc il y a une historicité de cette question de la fiction, qu'on voit avec ces deux exemples antiques. Et on voit bien que, par exemple, dans le dernier siècle ou le dernier siècle et demi, disons depuis la fin du 19e siècle jusqu'à au trois quarts ou même peut-être le 20e siècle tout entier, eh bien, il y a eu la définition d'une autonomie très grande du discours littéraire, hein, à savoir le discours fictionnel, le roman a conquis en quelque sorte une sorte d'autonomie par rapport à la société, par rapport au monde réel. On ne lui applique pas les mêmes jugements que sur un discours qui prétendrait énoncer le vrai. Et donc, eh bien, à ce moment-là, se pose, il y a un type de discours qui est dans une sorte de sphère, la sphère esthétique, qui peut-être n'apporterait pas qui serait en dehors des concepts de connaissance, etc. Et puis, il y aurait en revanche les discours qui, eux, prétendent parler du réel. Et donc, il me semble que si le problème se pose maintenant, comme le disait Françoise, c'est peut-être que c'est cette sphère esthétique, en quelque sorte, qui se délite. Hein. Et on peut le voir, je pense, les historiens du droit, les juristes pourraient le dire, il pourrait y avoir un juriste ici à cette table, on pourrait le voir dans la façon dont sont gérés les différents procès par rapport aux œuvres fictionnelles. Mais par exemple, il se trouve par exemple, je connais, j'édite le cours de poétique de Valérie ici au Collège de France, et il se trouve que dans son cours, Valérie récuse explicitement la thèse, en fait une thèse surréaliste, selon laquelle la poésie véhiculerait une connaissance. Hein, donc pour Valérie, la poésie, et on pourrait dire même le roman de manière générale, je pense qu'il irait jusque-là, le discours littéraire, disons, poésie, roman, ne véhicule pas de connaissance, c'est totalement en dehors de tout jugement de connaissance là-dessus. Donc c'est autre chose qui se passe, c'est l'esthésique ou l'esthétique, selon Valérie. Et c'est cela qui se délite actuellement, et c'est pourquoi peut-être le problème se pose. Alors, pourquoi le problème quand même des frontières de la fiction se pose-t-il? Je vois au moins deux raisons, je dis au moins deux, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je voudrais en fait indiquer deux arguments qui me semblent intéressants pour faire avancer la réflexion. D'une part, et je crois que ça... Parce qu'on pourrait dire que la fiction en vérité, première réponse, parce que la fiction est nourrie de réalité. La fiction est nourrie de réalité. Quand je dis réalité, c'est-à-dire ce que nous imaginons être le réel, mais qui ne l'est pas nécessairement. Donc, ce qui est notre croyance sur le réel. Et donc, par exemple, on voit que lorsque nous lisons une fiction,
quelle qu'elle soit, nous avons besoin de notre connaissance du réel pour la comprendre. Et l'absence de cette connaissance, eh bien, nous rend difficile l'accès au monde des fictions. Il faut que le lecteur doit disposer d'une certaine aptitude à accéder aux référents du discours d'une manière ou d'une autre. Ainsi, si vous voyez la maison d'Eugénie Grandet, telle que la décrit Balzac donc dans le roman du même nom, décrite dans le moindre détail. Si vous voulez vraiment la voir, eh bien, il faut en fait que vous connaissiez déjà, ça se passe à Saumur, mais que vous connaissiez ces ruelles bordées de demeures anciennes, dans des rues tortueuses, d'une petite ville de la province française, au bord de la Loire. Si vous avez une vision voilà, de ça, vous pouvez très bien vous représenter ce que Balzac avait comme idée de la maison de Eugénie Grandet et qu'il cherchait à véhiculer par sa description. Mais si vous ne connaissez pas ce type d'univers, si vous venez d'un autre continent, si vous êtes chinois, japonais, enfin, d'un endroit sans avoir connu ce type d'univers, vous pouvez avoir une représentation, hein, mais cette représentation ne correspondra pas à ce qui, effectivement, à ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans cette réalité de la, dans cette description. Donc, et c'est la même chose pour nous lorsque nous lisons évidemment quelque chose qui se réfère à une réalité qui nous est étrangère culturellement, très lointaine, historiquement ou culturellement. Alors, si Balzac fait des erreurs dans sa description de la ville de Saumur, ben, les Saumurois ne seront pas contents. Mais quel va être ce mécontentement? Par exemple, si un romancier contemporain, parlant de Paris, l'action se passe dans Paris, invente une rue parisienne, on ne s'en apercevra pas, ou bien on lui passera comme une sorte de licence fictionnelle, parce qu'on a un romancier a le droit d'inventer une rue dans laquelle se passe quelque chose. Bon. En revanche, si dans le Paris contemporain que ce romancier décrit, il n'y a pas de tour Eiffel, alors là, ça devient plus compliqué. Parce que non seulement le lecteur parisien se posera des questions, mais en fait tous les lecteurs du monde entier, à cause du caractère universel de ce monument. Et donc, on se posera la question de l'intention derrière cette disparition dans le monde décrit par le romancier. Et donc, la disparition devient signifiante. La disparition, l'écart avec la réalité ne sera plus dans le bruit ou dans le flou de la fiction. Et donc là, il y a quelque chose qui méritera une interprétation. De même, lorsque un roman décrit un milieu particulier, un métier, les familiers du métier pourront perdre l'effet de fiction en lisant le roman s'ils trouvent des détails qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'ils connaissent par ailleurs. Et ça vaut aussi pour les fictions historiques. Un roman de Walter Scott peut paraître réaliste au XIXe siècle, peut-être, mais il peut paraître irréaliste au XXIe siècle parce que notre conception de l'époque représentée aura... éventuellement évoluer. Et ça rend effectivement difficile de lire les textes anciens, les textes lointains dont le référent nous échappe. On recrée des mondes arbitraires, mais ce que je veux dire, c'est que la fiction a besoin de la connaissance du réel. Donc il y a cette interaction qui est là. Et même les fictions les plus... Même les images ou les fictions qui sont les plus loin du réel. Par exemple... une proposition surréaliste comme « La terre est bleue comme une orange ». Bien. La terre, en fait, ne sera jamais vraiment bleue comme une orange si vous ne savez pas qu'une orange n'est pas bleue. Hein. En gros, l'image surréaliste s'inscrit dans un écart plus ou moins grand ou provoquant avec le monde quotidien. Et donc, nous avons besoin de toute cette mémoire-là, de cette connaissance du monde, de croyance sur le monde que nous avons, pour comprendre les fictions. Donc, on voit que l'opposition entre discours qui énonce le vrai et discours qui énonce le faux est en fait très troublée par cette notion de fiction, puisque dans la fiction, en fait, il y a énormément de réel. Et les parties purement mensongères de la fiction sont peut-être presque quasiment minoritaires dans les mondes qui sont présentés dans les fictions. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle cette question de la frontière me semble vraiment délicate. Et la deuxième raison... pour laquelle le problème de la frontière des fictions se pose, eh bien, c'est parce que, alors là je vais me situer plutôt du côté à la fois du lecteur et de l'auteur, parce que la fiction dissimule un message, du moins tout discours littéraire, roman, poésie, dissimule un message, et ce message, lui, relève soit de la thèse, soit une proposition de type constatative, soit d'une injonction de type morale, faites ceci, faites cela.
Bien. Par exemple, Orhan Pamuk, le grand écrivain turc, prix Nobel de littérature, discerne dans son livre extraordinaire, hein, Le romancier naïf et le romancier sentimental, l'une de ses thèses, c'est que justement, c'est que dans tout bon roman, il y a un centre. Il y a un centre soigneusement dissimulé par l'auteur et qui, éventuellement, est reconnu par le lecteur bon interprète. Donc, le rôle de la lecture, c'est d'aller retrouver ce centre. Et ce centre est, alors, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je l'ai dit, une proposition constatative, une proposition injonctive. Ça peut être aussi de pures émotions. Hein. Quand il s'agit juste d'une émotion, d'un ressenti par rapport au monde, alors ce qui est vrai dans la poésie, hein, vous lisez un poème Spleen de Baudelaire, là, effectivement, on ne peut pas contester un sentiment personnel. Mais en revanche, dans les versions plus dures du message, à savoir une thèse ou une injonction, à ce moment-là, le centre a à voir avec notre connaissance du réel. Nous sommes confrontés, hein, si je puis dire, pour reprendre l'expression de tout à l'heure de François Recanati, nous sommes confrontés à quelque chose qui se confronte à nos croyances, à nos valeurs, et donc il y a interférence avec le monde, alors même qu'il s'agit d'un roman fictif. Donc l'interprétation dans laquelle nous sommes engagés vis-à-vis du roman nous oblige à prendre position par rapport au texte. Et effectivement, les romanciers revendiquent, comme Orhan Pamuk, une sorte de vérité de la fiction. Enfin, l'idée que... Alors, attention, j'aime pas trop le mot vérité, en fait, ici. Parce que les vérités, comme je dis, enfin, y a des procédures pour ça. Il y a des laboratoires, etc. C'est plutôt... C'est des croyances qui s'assimilent à ce que nous pensons être la vérité. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui agirait sur le réel. Donc, cette question des contenus donc épistémiques de la fiction pose aussi la question et contenus moraux pose aussi la question de la responsabilité des écrivains, et là nous voyons qu'on arrive à cette question de frontière de la fiction entre de quoi va-t-on dire qu'un écrivain est responsable lorsqu'il écrit un roman. Je vais vous donner un exemple ici imaginaire, mais peut-être pas tout à fait, en fait on pourrait trouver des équivalents dans la réalité. Imaginez un roman révisionniste écrit par Robert Forisson. Vous savez, Robert Forisson, le proposant de l'idée que la Shoah n'aurait pas existé. Donc, mais imaginons que Robert Forisson aurait écrit, ou un de l'un de ses sectateurs, aurait écrit un roman révisionniste où la Shoah n'aurait pas eu lieu. Bien. Donc, ce monde qui serait présenté serait un monde irréel, mais sa proposition de monde, en vérité, serait considérée comme une thèse historique. Si effectivement si tout se passait dans ce discours historique, ce roman historique, disons, avec absence de la Shoah, absence d'extermination des Juifs, etc. Bon. Alors, le romancier, si on l'attaque là-dessus, pourrait dire, et s'abriter derrière l'idée qu'il ne s'agit que d'un roman, que d'une fiction. Au bout du compte, il y a un droit d'imagination. Hein. Philippe Roth a imaginé que les nazis gagnaient la Seconde Guerre mondiale et qu'au bout du compte, l'Amérique devenait une dictature. Bon. Donc, il y a eu beaucoup de romans d'histoires contrefactuelles, hein, qui ont eu lieu. Mais est-ce que la défense de Robert Forisson, enfin, en tout cas de ce romancier-là, serait acceptable? Je crois que bon, c'est une vraie question, mais ce que nous pourrions dire, c'est que ce serait une fiction, clairement, ça correspondrait à ce que nous appelons une fiction, mais ce serait une fiction mensongère. Et donc, nous redeviendrons platoniciens, si vous voulez, ici, c'est-à-dire à dire qu'au bout du compte, on a un discours qui est là, qui est un discours qui serait mensonger. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a effectivement des fictions véridiques et des fictions mensongères. C'est un cas un peu limite, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour vous bien souligner qu'il y a en fait que nous attendons un certain contenu de vérité et que s'il y a un problème de contrefactualité trop énorme à ce moment-là, les choses peuvent mal se passer dans la société où ce roman est diffusé. Tout ça parce que il y aurait une thèse historique dissimulée sous une fiction. Donc il y a une frontière épistémique de la fiction, si je puis dire. Inversement, et là je vais être très rapide, il y aurait d'autres sujets où la société aujourd'hui accepte une certaine liberté d'expression dans l'expression des fantasmes sexuels. Vous savez qu'il y a des romans qui ont érotiques, pornographiques, comme Le Château de Seine de Bernard Noël, Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat, qui ont été dans les années 70 l'objet de procès soit pour outrage au bonheur, soit on les a interdits à l'affichage, à la vente, à la publicité aux mineurs. Bon, tout cela, ça a fait scandale. Maintenant, il y a une plus grande tolérance, hein, sur l'expression de ces scènes fictionnelles, etc. Mais l'idée, c'est qu'il y a une frontière morale des fictions, des fictions dangereuses. Là où le problème devient un peu compliqué, et Sade, n'importe qui peut acheter un roman de Sade dans une librairie. Et je termine là-dessus. Là où le problème devient compliqué, c'est dans les fictions à usage privé.
et dans la lutte, par exemple, contre des choses qui paraissent à la société extrêmement dangereuses, comme la pédocriminalité. Il n'est pas impossible que si la police s'introduit chez quelqu'un et découvre des images de scènes pédopornographiques, qui ne seraient pas, alors je ne parle pas de scènes réelles, photographiées, etc. À ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a recel et complicité, c'est un peu l'argument. Bon. Mais imaginons que ce soit des scènes purement imaginaires, du dessin, ou des, simplement donc une représentation dessinée, ou imaginée, ou conçue électroniquement. Il y a de bonnes raisons pour que ces représentations totalement imaginaires de scènes pédopornographiques seraient considérées comme une pièce à charge contre la personne. Et donc, ici, on voit ici un autre cas de frontière de la fiction, où la fiction, en fait, révélerait le danger que représente une personne. Et donc, la fiction, ici, serait en quelque sorte l'indice d'une réalité. En gros, l'indice de la nature dangereuse d'une personne qui serait la personne chez qui la police serait introduite pour une raison ou pour une autre. Bon, voilà, vous voyez que mon discours est assez un peu chaotique peut-être, mais j'essaie de montrer quelques cas un peu limites qui, au bout du compte, correspondent à ce qui est ma propre expérience de la littérature et de l'histoire de la littérature. Et moi, ce que j'attends surtout de mes collègues philosophes, c'est qu'ils m'éclairent sur ces frontières et peut-être sur ces cas limites. En tout cas, qu'il me semble, en tout cas, toujours ces questions de frontières sont toujours renégociables historiquement en fonction des sociétés, des attentes culturelles d'une société ou d'une autre. Et c'est peut-être ça le message que je voulais faire passer au bout du compte. Je vous remercie. Merci Françoise, merci à François Recanati de son invitation et à mes collègues. Alors, il y a un sens de l'énoncé, c'est une fiction, qui est exactement équivalent à c'est faux. Et donc, je crois que si il doit y avoir une frontière entre la fiction et la vérité, il vaut mieux qu'il y en ait une, je pense, sans quoi, en effet, on perdrait le sens de ces notions de vérité et de fausseté. Alors, pour ma part, je défends ce qu'on appelle le cognitivisme littéraire. Mais ne vous trompez pas, ça ne signifie pas que je veux des sciences cognitives dans la littérature, au contraire. Le cognitivisme, c'est, je l'entends au sens de la philosophie morale, l'idée qu'il y a des valeurs morales réelles ou bien à propos des propriétés axiologiques. Et selon cette conception, il faut que les œuvres littéraires puissent au moins être vraies et puis, position encore plus forte, qu'elles puissent véhiculer, transmettre une connaissance. Alors évidemment, je ne veux pas défendre ici aujourd'hui cette thèse, mais je voudrais indiquer quelques éléments par lesquels elle peut être défendue. Il y a une défense traditionnelle de cette thèse qui est ce qu'on appelle la conception humaniste de la littérature, celle de quelqu'un comme Lionel Trilling, par exemple, ou Thomas Mann, qui nous dit que la littérature nous offre des vérités générales sur le monde et la nature humaine. Et beaucoup de gens soutiennent cette position. Mais évidemment, c'est une position assez vague. On ne sait jamais très, très bien ce que sont les vérités en question. Et il y a des gens qui disent simplement, c'est une sorte de banalité, que quand on lit un roman qui nous a beaucoup intéressés, il nous a appris beaucoup, et ainsi de suite. Il faut évidemment essayer de dépasser cet aspect-là, et c'est évidemment difficile, parce que si on veut parler de connaissances dans ce domaine, il vaut mieux que ce soit au sens le plus fort de la notion de connaissance, à savoir croyance, vraie, justifiée. Et là, c'est presque mission impossible. Alors, pour ma part, je soutiendrai la thèse selon laquelle, dans certaines conditions, au moins certaines œuvres littéraires, pas toutes, il n'y a pas besoin pour être un cognitiviste littéraire de dire que toutes les œuvres littéraires de valeur apportent de la connaissance, mais au moins certaines. Maintenant, littéraire est un terme normatif et fiction est souvent contrasté avec le mot littéraire parce que la fiction, c'est en principe supposé répondre à des critères précis. C'est ce que nous disent souvent les gens qui écrivent sur ce sujet-là. Et je voudrais essayer de discuter un petit peu rapidement les thèses d'un auteur que j'ai invité à Paris il y a une dizaine d'années, avec lequel j'ai beaucoup discuté, qui est Gregory Curry, qui a écrit récemment un livre qui s'appelle « Imagining,
and knowing. Il défend la thèse, il avait fait un livre déjà il y a une trentaine d'années sur ce sujet, selon laquelle, pour qu'il y ait fiction, il faut qu'il y ait une intention fictive. Alors évidemment, ce n'est pas très, très informatif, mais évidemment, ça a quelque chose à voir avec la position simulationniste, et c'est une version de la position simulationniste dont parlait tout à l'heure François Recanati. Le critère principal, c'est l'engagement par l'imagination. Mais évidemment, Curry retire d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Il nous dit qu'il n'y a pas de véritable définition stricte. Il y a plutôt un rôle fonctionnel à partir des énoncés fictifs. Il nous dit qu'un énoncé fictionnel, c'est un énoncé qui a l'intention de véhiculer l'intention que l'auditoire imagine ce que l'énoncé exprime. Et évidemment, Curry soutient une thèse universaliste au sens où il dit que la fiction, c'est ce qui est fabriqué avec des objectifs imaginatifs. Donc, il met tout dans la notion d'imagination. Ça s'oppose à une conception conventionnaliste à laquelle, par certains côtés, ce que William Marx a dit tout à l'instant, semble se rapprocher. La conception conventionnaliste, qui a été défendue récemment d'ailleurs par Catherine Abel à Oxford, c'est l'idée que l'histoire littéraire nous montre qu'il y a de nombreuses conceptions de la fiction selon les genres ou les époques. Bon, il y avait des gens qui parlaient de fabula, d'argumentum, d'historia, de poésis. C'est pas nécessairement la même chose, et ça a beaucoup changé. Les conceptions qu'on avait de la fiction à l'époque de Tacite, à celle de Voltaire, ou même aujourd'hui, sont assez différentes. Et prenez par exemple un bouquin comme le livre de Lucien Febvre sur la religion de Rabelais. Il nous dit à un moment donné que ces gens-là, au XVIe siècle, n'avaient pas de notion de ce qui est impossible. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on ne pouvait pas faire la moindre frontière. Alors, Curry a une position très intéressante et en même temps un peu ambiguë. Il dit que la fiction n'a rien à voir avec la croyance, mais il admet néanmoins que l'imagination a des formes variées. Ceci répondrait peut-être à une des questions que soulevait tout à l'heure François. Il dit qu'il y a des quasi-croyances, qui sont des croyances imaginatives. Il y a des quasi-désirs, qui sont des désirs imaginatifs, et des émotions imaginatives. Et ça, ce sont des variantes de la notion de faire semblant. Et à ce moment-là, les vérités de la fiction ont comme fonction de représenter comme vrai, mais pas de faire croire vrai. Mais alors, évidemment, le fossé entre ces vérités de la fiction et les vérités trivialement entendues est encore plus vaste. Curry va soutenir avec Walton qu'il y a des quasi-émotions le but de la tragédie, par exemple, ce n'est pas de produire la pitié, mais c'est de produire quelque chose comme la pitié. Et peut-être est-il prêt à dire que les œuvres littéraires ne nous donnent qu'une sorte de quasi-apprentissage, mais ça ne nous avance pas beaucoup, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le quasi ? Le quasi, c'est un peu le comme-si de tout à l'heure, c'est le quaternus, si vous voulez. Et tous les quaternus, il faut s'en méfier. Hein. Donc, en ce sens-là, Curry, dans son livre, fait cet énoncé, il répète sa théorie, mais il a une position extrêmement négative. Il regarde quelles sont les formes de connaissances, et à chaque fois, il les dégomme, si je peux m'exprimer ainsi. Les connaissances propositionnelles, savoir que, les connaissances par expérience, les connaissances pratiques, les connaissances testimonielles ou par témoignage, et la connaissance par compréhension, il les rejette toutes les unes après les autres. Et donc, sa thèse est très, très sceptique. Et il soutient que c'est le cas parce qu'aucune œuvre littéraire ne peut nous donner de source fiable de connaissances. Mais quand on regarde ce qu'il entend par fiable, ce qu'il veut dire, c'est que ce ne sont pas des connaissances qui pourraient être testées empiriquement. Et ça a fait sauter en l'air mon collègue William Marx, dans son livre sur la haine de la littérature, parce qu'effectivement, Curry s'est amusé à aller le dire dans le New York Times de manière assez provocatrice. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Les professeurs de littérature lui ont sauté dessus. Curry parle d'illusion de compréhension dans cette... Et il a l'air d'être effectivement un philistin et un épouvantable positiviste. Mais en fait, je ne crois pas que
on ait besoin de défendre une conception aussi radicale que la sienne, et lui-même ne le fait pas. Donc le cognitivisme littéraire peut être distinct. Alors, je veux juste l'esquisser. Il y a trois conceptions classiques de l'impact cognitif de la fiction littéraire comme connaissance morale. Ça va être ma thèse, mais je ne peux faire que l'indiquer. Vous avez la tradition que Barbara Carnevali appelle la tradition de l'étopée, la description du caractère dans les œuvres de la comédie ou bien dans les grandes œuvres classiques qui traversent plusieurs sortes de genres. Deuxièmement, vous avez une conception néo-aristotélicienne qui est par exemple représentée par Martin Nussbaum qui soutient qu'il y a une connaissance pratique qui nous est donnée par la littérature par l'intermédiaire de quelque chose comme l'apprentissage du raisonnement pratique. Elle soutient qu'il suffit d'ouvrir les ouvrages de Henry James et de les lire pour avoir une espèce de connaissance pratique de ce genre. Alors, je crois en effet que Curry a raison là-dessus. Ce ne sont pas de vraies connaissances, c'est une connaissance très relative, ne serait-ce que parce que, par exemple, on comprend très bien les caractères et les personnages des romans de Austen ou bien de George Eliot, mais il y a évidemment des paramètres sociaux qu'il faut constamment que nous ajustions quand nous lisons ce genre de roman. Alors moi, la conception néo-axiologique que je veux défendre, c'est, elle garde de Gregory Curry la thèse selon laquelle la fiction a un rapport étroit avec l'imagination et avec l'idée que l'imagination a un rapport essentiel aux émotions. Et ma thèse est la suivante, je m'excuse de la poser de façon un petit peu dogmatique, mais c'est un peu le format de cette rencontre qui l'oblige. Premièrement, les émotions sont susceptibles d'être vraies, et elles sont vraies si elles sont appropriées. Et quand elles le sont, elles nous procurent une connaissance des valeurs. Deuxièmement, les fictions narratives représentent les conditions de vérité des émotions qui fondent la connaissance des valeurs. Et ça peut se produire, au moins dans certains cas, ça peut produire au moins dans certains cas des connaissances, mais pas toutes. Je ne soutiens pas que c'est le cas tout le temps. Alors c'est évidemment une conception qui doit refuser la conception, par exemple, comportementale des émotions. On doit admettre que les émotions ont un contenu cognitif et qu'elles ont des raisons. Une émotion, par exemple, comme la colère ou la honte, est basée sur un jugement évaluatif qui est approprié si l'émotion est une réponse appropriée à un certain état de choses. Et donc, le jugement évaluatif n'est pas uniquement cognitif, mais il est également affectif. Et ça suppose qu'il y ait des vérités émotionnelles et que ces vérités émotionnelles puissent nous donner une connaissance de valeur. Alors, évidemment, c'est une conception extrêmement forte, vous me direz trop forte, exagérée, mais je voudrais l'opposer, par exemple, à des conceptions des valeurs comme celles qu'ont données les sociologues, comme ma collègue Nathalie Hennig, qui soutient dans son livre sur les valeurs que les valeurs, c'est des constructions sociologiques. Et évidemment, on pourra toujours objecter dans ce genre de cas qu'une émotion peut manquer sa cible. Hein. Peut-être que Achille avait tort d'être en colère. Ou le Roland de Orlando Furioso avait peut-être tort d'être furieux. Donc, ce n'est pas évident de défendre cette thèse-là. Alors, je vais essayer de dire très rapidement comment ça peut se faire. J'ai encore 5 minutes ? 4. Alors, je vais essayer de le dire à propos de la satire. Il me semble que c'est intéressant, notamment pour des gens comme Stacy Friend, qui défendent l'idée que la fiction est reliée à un certain genre. Je vais le prendre à partir de la notion de satire. La satire, c'est pas, je ne me mets pas dans la meilleure position pour le défendre, parce que la satire, c'est une espèce de salade, c'est un mélange, et donc ce n'est pas un vrai genre, ça. C'est un genre qui emprunte à tous les autres genres. Et il y a des satires qui se présentent, les satires ne se présentent pas toutes comme des fictions. Dans certains cas, c'est des polémiques, comme le livre qu'a fait Patrick Boucheron avec Vincent Azoulay sur l'histoire des attaques littéraires, quelquefois c'est parfaitement littéral. Machin est un crétin et on le dit pas du tout comme une fiction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir, il n'y a pas réellement de démarcation claire entre fiction et non-fiction dans les satires. Et si vous prenez le satiriste par excellence, c'est-à-dire Swift, qui est presque une espèce de cas paradigmatique, mais en même temps une sorte d'exagération du satiriste, même ses ouvrages se présentent comme des pseudo-fictions.
dans le conte du tonneau, il raconte l'histoire d'une espèce, quelque chose comme une, c'est une fiction de parabole. Dans les voyages de Gulliver, il raconte, c'est une sorte de pseudo-récit de voyage. Et il me semble que l'ironie est très importante dans cette affaire parce qu'elle représente la manière dont nous comprenons le discours satirique. C'est une forme de feintise, c'est une forme de simulation. Si vous prenez cette définition-là de l'ironie, ça s'applique parfaitement à Swift. En particulier, comment est-ce qu'on peut déterminer la différence entre fiction et non-fiction si vous adoptez cette idée ? Je vais juste donner un seul exemple, si vous m'autorisez. C'est un exemple qui se trouve tout à la fin des voyages de Gulliver. Dans le livre 4, lorsque Gulliver revient chez lui, il réfléchit à ses voyages. C'est à mon avis un passage dans lequel on voit très bien comment s'exprime une émotion, la colère, et comment en même temps on voit la désarticulation qu'il y a entre le discours fictif et le discours réel, par l'ironie. Je vais juste lire une ou deux lignes. Une autre raison qui m'empêche d'opiner pour la conquête de ce pays, je cite Swift et Gulliver, et de croire qu'il soit à propos d'augmenter les domaines de Sa Majesté britannique de mes heureuses découvertes, c'est qu'à dire vrai, la matière dont on prend possession dans un nouveau pays découvert me cause quelques légers scrupules. Et là se trouve un des passages les plus célèbres dans Swift, c'est-à-dire une charge contre la colonisation. On arrive dans une île, on tue tous les sauvages qu'il y a dessus, et on déclare que c'est au nom de la religion, etc. Mais juste un paragraphe après, le Gulliver, le narrateur de principe, dit « J'avoue que ce que je dis ici ne me regarde point la nation anglaise, qui dans la fondation des colonies a toujours fait éclater sa sagesse et sa justice, et qui peut sur cet article servir aujourd'hui d'exemple à toute l'Europe. » Alors là, effectivement, vous voyez Swift complètement nous tirer le tapis qu'il avait commencé à mettre sous nos pieds, et en quelque sorte révéler par son ironie quasiment antiphrastique, c'est-à-dire conformément à la définition traditionnelle de Quintilien, y quasiment démolir ce qui nous a été dit. Et il me semble que là, nous voyons à la fois un discours qui se prétend être fiction et que l'ironie, en quelque sorte, détruit. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un changement de personnage. Et c'est tout le temps comme ça chez Swift. Le personnage, c'est très important d'avoir en effet un énonciateur, quelqu'un qui est le narrateur de la fiction. Et Swift joue tout le temps entre les deux. Mais il y a des passages comme celui-ci où, me semble-t-il, c'est tout à fait clair qu'en fait, Swift se moque complètement des colonisateurs britanniques. Il exprime là sa colère et il la représente. Et je pense que c'est une des manières par lesquelles on peut saisir cette reconnaissance de l'émotion. Et par là même aussi, quand on sait comment interpréter l'énoncé ironique, ce qui n'est évidemment pas toujours facile, et je sais qu'on pourra toujours m'objecter que c'est une espèce de géométrie hyper variable, et chez Swift, elle l'est tellement qu'on a pu contester qu'il défendait les valeurs. Je sais qu'on peut avoir cette interprétation-là, mais néanmoins, il me semble que c'est un des passages les plus clairs dans lesquels il exprime les idées de quelqu'un qui croit en la valeur morale de la non-oppression de l'humanité et qui se met en colère, comme il le fera à propos de l'Irlande, vis-à-vis de tous les gens qui cherchent à opprimer, y compris donc les Anglais. Merci. Ok, ça va, ok. Merci. Je voudrais répondre à Pascal Angèle pour un instant parce que je ne suis pas sûre pourquoi vous avez dit que Swift mélange le discours fictionnel avec d'autres discours, le discours réel, le discours ordinaire, parce qu'à mon avis, le livre est tout est fiction. L'ironie, l'expression des avis vrais, tout ça est compatible avec la fiction. Je ne vois aucune raison de le nier. Je suis d'accord, c'est vrai. Tout le livre se présente comme une fiction, comme un récit. Il y a une lettre à l'entrée d'un certain Simpson dans lequel on explique finalement que
le lecteur va être en quelque sorte mené en bateau tout le temps. Néanmoins, ce que j'ai voulu dire à propos d'un passage comme celui-là, c'est qu'il est très difficile de ne pas voir ici, dans la fiction, la parole de Swift lui-même. Quand il présente la conquête anglaise des îles dans lesquelles on tue tous les sauvages qu'il y a dessus, et puis ensuite on dit qu'on a conquis cet endroit au bénéfice de sa majesté, il me semble que là, il est très difficile de ne pas voir, en quelque sorte, l'auteur se démasquer. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que ça, la voix de l'auteur, c'est aussi compatible avec la fiction. On le voit partout dans le livre. On le voit partout, et c'est vrai que si on a une lecture, en quelque sorte, je dis que si on a une lecture même naïve, on ne peut pas ne pas voir que ici, ça n'est pas Gulliver qui s'exprime lui-même, mais que c'est un narrateur qui est quelqu'un d'autre. Et le lecteur tend à ce moment-là, évidemment, je ne vous dis pas que c'est absolument sûr, mais il fait une inférence à la meilleure explication dans laquelle il voit bien que, en fait, finalement, c'est pas simplement Gulliver qui dit que on a conquis pour la couronne. Donc évidemment, bien sûr, je reconnais que ce n'est pas foolproof, mais il me semble qu'il y a beaucoup de passages de ce genre, et d'ailleurs, je crois que l'ironie swiftienne fonctionne exactement de la même manière, par l'intermédiaire de ce qu'on pourrait appeler l'intensité. C'est une expression qui est utilisée par le critique littéraire anglais F.R. Lewis. L'intensité de l'ironie est telle qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas, en quelque sorte, saisir. Ah oui, pardon. Ah, c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était simplement un discours ironique. Moi aussi, j'aimerais poser une question. C'est quand le tapis est retiré que se produit le moment de connaissance morale. La façon dont vous le présentez, c'est que c'est l'irruption par l'ironie du réel, de la personne de Swift, qui produit ce moment de compréhension et de connaissance morale. Et justement, c'est ce qui me pose problème dans votre thèse, c'est que je vois pas en quoi c'est plutôt la fiction et non pas les récits factuels qui provoquent cette connaissance morale. Il me semble au contraire que le privilège qu'on donne dans la culture actuelle à la factualité vient éminemment de cette demande morale, de ce moment, de ces émotions morales. Est-ce qu'elles ne sont pas davantage produites par les textes factuels ? Oh ben oui, bien sûr, c'est pas incompatible. Mais là, je prends l'exemple de la satire, et en particulier celle de Swift, parce que elle est très intéressante dans la mesure où c'est un mélange de séquences qui sont fictionnelles et d'autres qui ne le sont pas. Dans les pamphlets de Swift, il y a quelquefois des personnages qui sont parfaitement identifiables et qui pourraient presque être un article de journal dans lequel on décrit un certain type de personnage. Donc, je vois pas d'opposition. Ce que je dis simplement, c'est que l'ironie crée une situation d'intensité dans laquelle on ressent l'émotion que veut représenter l'auteur. Et lorsque le lecteur comprend qu'il y a eu cette intention-là, qui est effectivement une intention de représenter quelque chose, mais fictivement, eh bien, en quelque sorte, le masque s'enlève et on revient à un discours qui pourrait être littéral et qui pourrait être celui d'un moraliste. C'est le même discours à ce moment-là que celui que Swift a lorsqu'il écrit des sermons. Par exemple, lisez le sermon sur la Trinité, il croyait ce gars-là à la Trinité.
Non, je voudrais reprendre cette partie de l'ironie. Je me demande si le fait de faire intervenir ici l'exemple ironique n'est pas une sorte de pétition de principe, en quelque sorte. C'est-à-dire que le principe même de l'ironie suppose qu'il y a un auteur qui intervient derrière, qui serait le vrai message derrière, derrière ce qui est dit littéralement dans le texte. Donc, effectivement, parler d'ironie, c'est déjà supposer qu'il y a quelqu'un qui parle en son nom propre. Oui, bonne remarque. Cependant, j'ai parlé d'ironie dans le cadre de l'interprétation que donnent les simulationnistes de la notion d'ironie. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a des personnages qui, à différents moments, prennent la parole. Dans des textes ironiques, bon, évidemment, c'est certain qu'il y a une notion d'ironie, comme l'ironie par antiphrase, dans laquelle, en gros, on suppose que l'ironie, c'est le contraire de ce qui est dit explicitement. Mais en même temps, il y a aussi, dans un certain style de fiction ironique, comme celle de Swift, une espèce de jeu sur les types de personnages qui peuvent ici intervenir. Donc, est-ce que c'est une pétition de principe ? Oui, en un sens, au sens où je vous ai pas, j'ai pas fait l'exposé que j'aurais dû faire. C'est-à-dire, j'aurais expliqué comment il pouvait y avoir. Il faudrait expliquer, pour défendre une conception comme la mienne, à quel endroit dans le discours vient intervenir la charge émotionnelle, comment cette charge émotionnelle est ensuite représentée et comment elle peut être représentée sous différents modes, un mode fictionnel ou bien un mode qui est quasiment pamphlétaire. Et quand le mode est pamphlétaire, ben il me semble que c'est ce que pourrait faire n'importe qui. Par exemple, prenez Daniel Defoe. Daniel Defoe a fait un tract dans lequel qui s'appelle « The Shortest Way with the Dissenters », ceux qui ne sont pas d'accord avec la religion anglicane, et il dit « pas compliqué, il faut les tuer ». Et les gens qui ont lu ça, le pouvoir, a dit « mais ce type-là est dangereux », et on l'a mis au pilori. Donc voilà un cas dans lequel la fiction ne marche pas du tout, quoi, dans lequel l'ironie ne marche pas. C'est vrai que on peut toujours se justifier à certains moments en disant « j'ai fait une fiction » ou bien « j'étais ironique ». Par exemple, toutes les déclarations, non pas de Forisson, mais de Jean-Marie Le Pen il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il racontait des trucs, le four crématoire ou je ne sais quoi, il disait « j'ai fait de l'ironie ». Ça peut être. Et donc, effectivement, il y a tout ce jeu qui intervient, mais je prends l'ironie parce que ça me paraît être... Je comprends ce que vous voulez dire, parce que c'est vrai que dans la prose de Swift, c'est une prose qui, quelquefois, a l'air d'être absolument dénuée de toute émotion. Ça sera un contre-exemple. Hein, la modeste proposition, c'est un type qui dit « on va manger les enfants d'Irlande », et il le dit avec une espèce de froideur totale. Et c'est l'effet comique. Mais justement, il me semble que c'est au contraire une prose très intense. Bon, je reconnais en effet que ma thèse est assez audacieuse, et que je ne peux pas l'argumenter dans 5 minutes comme ça. Mais je voudrais réagir de ce point de vue-là, ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de charge émotive, ou en tout cas morale, qui dans la littérature contemporaine, qui prend à bien des égards, au fond, la forme d'une factographie, pour le dire comme Marie-Jeanne Zanetti. C'est d'une certaine manière moins l'invention fictionnelle qu'en fait cette prise en compte, cette croyance que la littérature, mieux que l'histoire, mieux que la sociologie, mieux que n'importe quelle enquête sur le réel peut dire le vrai et le juste sur la société, c'est quand même ça qui aujourd'hui est confronté à tel point qu'on pourrait d'ailleurs trouver des ressources morales ou esthétiques pour défendre des œuvres de fiction qui n'auraient aucune intention hors d'elles-mêmes. Et c'est d'ailleurs ça qui pourrait donner l'envie à quelque historien, c'est pas mon cas, mais quand même, de monter effectivement à la frontière pour défendre l'idée que la connaissance historique n'est pas seulement la science auxiliaire de l'invention romanesque. Bon. Mais justement, je voulais poser une question à partir de ce que tu disais, William, sur ce... Et si, imaginons, enfin, la fiction d'un roman révisionniste, mais ils existent déjà à bien des égards.
à bien des égards. Et c'est bien ça, au fond, qui nous réunit, me semble-t-il, et nous réunit sur une peut-être une position qui est moins de, qui est inconfortable. Parce que si, comme vous le dites, Pascal ou Françoise, d'une certaine manière, il suffirait de dire c'est une fiction pour désarmer les méchants, tout irait bien. Mais, bon, j'en parlerai pas parce que c'est ce sur quoi j'ai le plus directement... ce sur quoi j'ai intervenu. C'est la question, par exemple, de la polémique autour du livre de Yannick Enel, Yann Karski, qui peut-être posait le problème de ce que c'est qu'un nom propre. Parce qu'à partir du moment où on prend comme titre d'un roman un personnage de fiction, comme l'a dit magnifiquement Arthur Noziciel, en refaisant d'une certaine manière, en refaisant la polémique au théâtre, enfin en faisant une adaptation théâtrale de Yann Karski, qui s'appelait Yann Karski, entre parenthèses, mon nom est fiction. Tout était là, le rapport entre le nom propre et la fiction. Il ne suffit pas de dire, et la troisième partie de mon roman est une fiction, ce qui était écrit noir sur blanc, la troisième partie est une fiction, point. Pour désarmer l'envie de certains lecteurs d'y voir la vérité de l'histoire. Et ça, c'est, je pense, le propre, au fond, de nos embarras fictionnels contemporains. Oui, et puis, alors, c'est vrai, tu vas parler de Yann Karski tout à l'heure ? Non, pas du tout. Oui. C'est vrai que c'était une proposition très intéressante, parce qu'il y avait trois modes de récit sur un événement qui était proposé. Il y avait un témoignage personnel, lui-même, où il découvrait Yann Karski étant un grand, enfin, résistant polonais, mais surtout quelqu'un qui a dénoncé aux Américains la Shoah qui avait lieu à ce moment-là en Pologne. Et donc il y avait trois parties dans le roman, dans ce texte, disons, où il y avait une première partie de témoignage personnel où Yannick Enel racontait comment personnellement il avait découvert par un documentaire télévisé, je crois, l'histoire de Yann Karski. Ensuite, il y avait dans une deuxième partie le récit historique, hein, disons, de cela, et puis une troisième partie assez qui se présentait comme une fiction, et où là on voyait l'entrevue entre Roosevelt et Yann Karski, et qui était une entrevue qui, alors pour le coup, dont on n'a pas le récit, mais là il y avait un récit qui donnait quelque chose d'assez étrange sur la représentation de Roosevelt. Et c'est vrai qu'on était un peu en porte-à-faux, précisément, même avec le terme de fiction, fait qu'on est malgré tout emporté à impliquer à donner un sens à ce qu'on lit. Si on lit dans ce texte Yannick Enel, qui était très fort par ailleurs, que pendant que Yann Karski lui raconte ses histoires, raconte le ghetto, l'extermination des juifs, Roosevelt est particulièrement obsédé par les jambes de sa secrétaire, parce que c'était plus ou moins ça qu'on voyait, ce qui est une proposition quand même très forte, et pour expliquer que les Américains ne seraient pas intervenus pour libérer les camps, etc. Bon. On ne peut pas ne pas y voir une proposition de type historique ou explicatif de ce qui s'est passé en histoire, une fiction qui expliquerait quelque chose qui s'est passé dans la réalité. Et c'est là que, pour ma part, je crois que poser la question des fictions, et ça revient un peu à ce que disait Pascal, que tu disais quand tu parlais de Grégory Curie, poser la question du contenu des fictions en termes de connaissances. Je crois qu'il faut être plus précis que ça. Les fictions, comme du reste n'importe quel texte, me semble-t-il, proposent des contenus qui se présentent comme des connaissances ou des croyances ou des prétentions à la connaissance. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit propre aux fictions. Je pense qu'il y a très peu de textes qui proposent le vrai ou la connaissance telle qu'elle. Je veux dire, il suffit, c'est peut-être un article dans Nature ou dans Science qui est basé, parce que nous savons qu'il y a tout un ensemble de procédures derrière de laboratoire pour expliciter le moindre fait. Là, on peut peut-être dire qu'on a le plus près d'un discours qui serait au plus près du vrai. Donc moi, j'ai une conception du vrai vraiment comme quelque chose qui est effectivement comme expérimentalement prouvable ou au contraire
manière qu'on peut réfuter. Mais en dehors de ce type de cas, c'est limite, au bout du compte, l'article d'une revue scientifique, de sciences dites de la nature ou exactes, ou alors les mathématiques, peut-être qui serait le cas le plus proche d'un discours du vrai. En dehors de ce cas-là, je ne vois guère de discours en fait qui ne soient en fait que des discours qui ont une prétention à la connaissance. Et c'est simplement par d'autres moyens que nous pouvons dire que cette prétention au contenu de vérité est plus ou moins proche du vrai. Même un article de journal, on peut trouver quelque chose de faux dans un article de journal, ça peut-être, on peut s'en rendre compte, ça n'empêche pas qu'on peut trouver qu'il y a des informations qui nous intéresseront. Un texte de philosophie, je peux prendre d'exemple personnel, mais dans son cours de poétique, Valéry dit qu'il aime bien lire la Somme théologique de Thomas d'Aquin comme un roman. Parce que, et Borges a des propositions semblables. Je crois que on peut dire ça pour la Somme théologique ou pour Hegel par exemple. Lorsque on est confronté à des propositions avec le terme d'esprit, etc., on est forcé d'avoir un travail interprétatif qui va essayer de faire correspondre, de faire sortir des propositions qui nous sont compréhensibles, et on va les faire correspondre avec ce qu'on sait plus ou moins de la réalité, ou ce qu'on croit savoir de la réalité. Donc la connaissance pure, si c'est une connaissance vraie, je ne vois pas où est-ce qu'on l'a ailleurs que dans un article scientifique. Et à ce moment-là, dire que la fiction ne proposerait pas des prétention à la connaissance ou des prétentions à agir sur le réel parce que c'est de la fiction, je trouve que c'est une position un peu trop forte, parce qu'en fait ça devrait exclure quasiment l'ensemble des discours qui sont dans notre réalité, me semble-t-il. Je peux répondre ? Naturellement. Oui, merci. En fait, évidemment, il faut distinguer la prétention à la connaissance et puis la connaissance effective. Je suis bien d'accord. Et je ne prétends pas. Enfin, je pense que déjà, il faut pouvoir être en mesure d'accepter la prétention à la connaissance. Si je comprends bien ce que tu dis à propos des gens qui disent que la philosophie, c'est de la littérature fantastique, comme Borges, ou bien Valéry qui dit que Saint Thomas, c'est un bon roman, ou bien encore. Même récemment, il y a un auteur, un professeur de littérature, de Bruno Clément, que vous devez connaître, qui a écrit un livre pour dire que Bergson, en fait, c'est de la littérature. Évidemment, nos jugements deviennent un peu troublés. Donc, il y a cette première étape. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la connaissance effective dans le domaine littéraire ? Bon, ben, évidemment, on pourrait dire des choses du genre « Tartuffe est un hypocrite ». Est-ce que c'est un énoncé qui peut faire l'objet d'une connaissance? Bon, évidemment, tout ça est un peu variable, n'est-ce pas? Sauf, en effet, à défendre une conception de la connaissance poétique comme une espèce d'absolu littéraire, hein, qui était le rêve des romantiques, et de beaucoup de Français, d'ailleurs, du XXe siècle. Sauf à défendre une conception comme celle-là de la connaissance, en effet, ça, on n'aura jamais quelque chose comme une connaissance prouvable. Donc, effectivement, ce sera une connaissance qui passera par quelque chose que l'on appelle la compréhension. Ce sera une connaissance qui ne sera pas du même ordre, en effet, que la connaissance empirique. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Si je peux me permettre, parce que j'ai commencé, c'est vrai que j'ai trouvé intéressant ce livre de Bruno Clément qui s'appelle Bergson, prix Nobel de littérature, ce qui est d'ailleurs un fait. Il ne dit pas ce n'est que de la littérature. Et il tente effectivement de comprendre en quoi cette philosophie se risque dans la littérature. Voilà, ce qui est une question quand même qui peut se poser aussi pour des historiens, par exemple, hein, voilà, qui ont pu s'inquiéter. En fait, de tout ce qu'il risquait de positivité, de scientificité dans leur régime de vérité, dans le fait d'écrire. Enfin, moi, c'est la question. Enfin, il me semblait que. Oui, oui. Mais quand on a été comme moi, ne récuse pas. Enfin, quand on a été comme moi, à un moment donné, contact avec quelqu'un comme Derrida, il est évident qu'en effet. Il a dit la frontière entre littérature et philosophie est effacée.
pas que si le débat soit juste un débat de procès, soit de littérature, soit de la philosophie, c'est pas la question. Je prenais juste cet exemple simplement pour dire que il me semble que devant tout texte, pour moi, c'est le lecteur qui fait un travail. Alors tu dis de compréhension, moi d'interprétation. Et cette question de la phase de l'interprétation, elle est pour moi tout à fait fondamentale. Pour moi, en tant que littéraire, face à n'importe quel texte, qu'il s'agisse d'un texte littéraire au sens moderne du terme ou de n'importe quel texte, il y a des procédures d'interprétation et chaque texte, en fonction de son contexte et du genre et évidemment même genre est conçu différemment dans telle ou telle culture ou telle époque suppose un type d'interprétation particulier qui va faire correspondre ce qu'il y a dans ce texte avec quelque chose qui est une expérience personnelle du lecteur ou de la lectrice. Et il me semble que ce travail-là, on le fait pour n'importe quel texte, quoi qu'on lise. Je lis un mode d'emploi d'une machine à laver, je dois faire correspondre ça, et ce n'est pas toujours simple du reste, avec mon expérience même de l'objet qui est devant moi. Ok, mais à condition effectivement qu'on puisse accepter l'idée, et sans ça il n'y aurait pas de notion de connaissance, que les interprétations ne sont pas absolument indéfinies, qu'il doit pouvoir y avoir effectivement une bonne interprétation. Je ne veux pas que ça soit entendu au sens de Umberto Eco, tout le monde peut interpréter tout tant qu'il ne le veut. Quoi. Ah non, enfin, tout à fait d'accord là-dessus. Oui. Encore un petit mot sur Jan Karski pour vous dire qu'il y a eu plusieurs procès fictifs de Jan Karski. Il y en a eu trois même. Il y en a eu un à Genève, il y en a eu un à Paris, il y en a eu un que j'ai organisé aux États-Unis. Et je ne veux pas être longue là-dessus, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu des résultats très, très différents. Et que, par exemple, les étudiants américains, moins au fait de l'histoire, ou je ne sais pas... contrairement aux étudiants français qui ont voté, qui ont dit que Jan Karski était coupable d'avoir falsifié la mémoire d'un homme réel, d'un personnage historique, les étudiants américains ont fait cette remarque. Ils ne connaissaient pas Jan Karski. Grâce au roman, ils connaissent l'existence de Jan Karski. Et cette connaissance-là leur paraissait devoir être prisés, et peu importe, peut leur importer qu'on ait dit que, parce que c'est ce que dit Enel finalement, hein, que les alliés étaient complices des nazis, hein, que les alliés ont voulu la Shoah, c'est ça qu'il dit. Hein, donc c'est vrai que c'est complètement scandaleux de faire servir la fiction à ça. Hein. Eh bien, pour les étudiants, le fait d'avoir appris quelque chose était la chose la plus importante finalement. J'étais assez étonnée. Il n'y avait pas de. C'était finalement la connaissance dénuée de jugement moral. Qu'en pensez-vous, tous les deux ? Pour ma part, ce n'est pas exactement dans ce sens-là que j'entendrais jugement moral. Pour ma part, je vois plutôt un jugement moral comme quelque chose qui se formule sur la base d'une expérience émotionnelle et donc une variante de la notion de simulation. Je ne veux pas du tout écarter cette notion-là. Alors évidemment, il y a beaucoup de sens, manières dont on peut interpréter la notion de jugement moral et c'est très variable, mais je vais encore peut-être dire quelque chose de scandaleux, mais je crois qu'il existe des réalités morales. C'est très étonnant ce que tu rapportes, en particulier le fait qu'aux États-Unis, où il y a quand même une lecture moralisante des textes, qui est quand même très, très présente. Pas là-dessus, voilà. Ce qui prouve que peut-être c'est une morale à plusieurs niveaux, plusieurs régimes, suivant les objets en question. Alors, c'est vrai qu'on peut faire. De toute façon, il ne s'agit pas ici de faire le procès ni de ce texte, ni de Yannick Enel. De reste, c'est très intéressant d'avoir créé cet objet qui est un fabuleux objet de réflexion philosophique. Ce qui me semble intéressant, malgré tout, et comme tu disais, c'est qu'il y a une thèse. Il semble y avoir une thèse
qui est peut-être une thèse ironique, je ne sais pas. En tout cas, c'est une sorte de complicité passive, disons, des alliés avec l'extermination par les nazis. Et je pense que cette proposition-là, elle est là dans le texte de fiction. Elle est peut-être ironique, mais en tout cas, elle est là. Et elle ne peut être réfutée, c'est pour ça que ça a fait débat, elle ne peut être réfutée que par des historiens. Vous réfutez ou non réfutez, je veux dire, il n'y a que des historiens qui peuvent nous dire c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Parce que, alors après, l'histoire elle-même peut voir son discours changer en fonction des preuves, des arguments, des documents qui sont là présents. Mais il me semble qu'il y a là une proposition de type historique qui ne peut être soumise qu'à un jugement, non pas littéraire cette fois, enfin on peut avoir un jugement littéraire sur la chose, mais un jugement de type historique, factuel, sur cette thèse historique-là. Oui, juste un mot sur, effectivement, Yannick Enel, et effectivement, je m'étonne de cette forme procès, même ironique, cette forme procès, malgré tout, pour discuter des mérites ou des dangers d'un livre. Pourquoi pas des dangers ? Pourquoi pas des dangers ? Moi, je n'attends pas d'un écrivain qu'il me renseigne en quoi que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale, mais sur l'état de notre mémoire contemporaine sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et ce n'est même pas aux historiens de le réfuter. On n'a pas besoin de réfuter Yannick Enel. On peut reconnaître effectivement qu'il y a quelque part, voilà, qu'il a lu 2-3 choses, qu'il a lu Jean-Claude Milner, qu'il a lu... Bon, mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'effectivement, on n'aurait pas besoin d'un historien de Roosevelt ou de la Shoah et de la Pologne. On aurait simplement besoin d'un historien ou d'une historienne de la mémoire de cette question-là. Par exemple, Annette Wieworka. Et Annette Wieworka, elle explique très bien que, de toute façon, avant la fin des années 90... Avant les guerres de l'ex-Yougoslavie, avant que la question ne se pose justement de l'intervention morale et politique des États-Unis et des puissances occidentales dans une guerre, l'idée même qu'on puisse reprocher aux alliés que le bombardement d'Auschwitz n'ait pas été un but de guerre est une idée inconcevable. Donc, c'est même pas aux historiens de réfuter le fait. Les historiens peuvent discuter le fait que ce qui est documenté dans la littérature, c'est toujours un état de la mémoire. Et jamais l'histoire. Parce que, quand même, le documentaire dont tu parles, c'est pas n'importe quel documentaire, c'est Shoah. Et donc, de toute façon, depuis la mort de Lanzmann, sur le plan mémoriel, tout a changé. Et la crise, finalement, autour de Enel, elle était liée aussi aux dernières années de vie de Claude Lanzmann. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tout autre chose. Ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que ce qui est ressorti, c'est quelque chose que j'avais dit, à savoir que la fiction peut être aussi un document sur une mémoire actuelle. Comme tout à l'heure, je disais qu'une fiction, une représentation fausse, peut être aussi un indice d'une réalité. Donc c'est aussi un autre aspect de la frontière, c'est-à-dire le renvoi à un sujet qui est derrière l'auteur de la fiction. D'où la pertinence du sujet. Merci, chère Françoise. Merci François de m'accueillir dans cette table ronde. Et permettez-moi de présenter en quelques mots ma situation de parole. Je parlerai donc en tant qu'historien, mais pas pour défendre ma discipline ni pour m'en faire le garde-barrière. Je parlerai au nom d'une pratique singulière de l'histoire, un peu indisciplinée peut-être, qui sans doute a affaire avec la littérature, qui s'y risque parfois, pas nécessairement pour le plaisir de faire trembler la frontière entre histoire et littérature, même si toute littérature est assaut contre la frontière, comme le disait Kafka, c'est bien connu, mais parce qu'au fond, il y a sans doute des moments historiographiques
Et nous en vivons un, historiographique et historique tout court d'ailleurs, où l'on peut avoir besoin d'un peu de calme pour définir le régime de vérité propre aux historiens. Il y a été fait allusion, on a déjà connu ça en 1985, ce moment fut fondateur pour moi, au moment où les historiennes et les historiens de métier qui justement se pensaient autorisés à aller un peu au-delà de la chronique de ce qui s'était passé ont été amenés, ramenés dans leur camp, si j'ose dire, à défendre ce que Pierre Vidal-Naquet appelait dans une lettre désolée à Luce Gillard, cette vieillerie, le passé tel qu'il fut, au nom du tel que Ranke le définissait, parce que effectivement, la crise négationniste ramenait les historiennes et les historiens à des positions plus traditionnel. Il ne me semble pas que cela puisse avoir un sens de sonner, là encore, un retrait général, tous aux abris, mais évidemment que dans la situation dont on parle plus ou moins, celle effectivement d'une remise en cause assez profonde, radicale, politique et morale du régime de vérité, tout en sachant qu'on ne pourra pas faire que les historiens n'aient pas pris la mesure au milieu des années 70 qu'ils écrivent l'histoire, qu'ils la fictionnent d'une certaine manière en tant qu'ils la façonnent, qu'ils l'inventent, qu'ils la représentent et qu'ils la feignent. Hein, ce sont les déclinaisons possibles de fingere en latin. On ne reviendra pas donc sans doute en deçà de ce moment-là de prise de conscience du fait que l'histoire s'écrit, mais une sorte de rappel à l'ordre ou au sérieux de la discipline, inévitablement, aujourd'hui s'entend de partout, et il y aura bien évidemment un accord sur la nécessité de contenir le panfictionnalisme. On peut le dire de bien des manières pour déroutiniser, je dirais, les références. J'ai regardé dans le livre de Jean Lévy, dans son livre « La Chine romanesque, fiction d'Orient et d'Occident », qui tente de comprendre justement l'un par l'autre, et il peut en même temps tranquillement écrire que l'histoire elle-même, en tant qu'elle figure des faits au moyen du langage, est aussi fictive et ne saurait se confondre avec les événements dont elle fournit la représentation. On retrouve ici l'opposition que François Recanati rappelait entre représentation et confrontation, mais ça ne signifie pas qu'elle puisse se confondre avec le roman, qui lui est doublement une fiction, non seulement parce qu'il figure quelque chose qu'il n'est pas, mais parce que il figure, ce qu'il figure n'a pas d'être et de substance ailleurs que dans les mots qui appartiennent au monde de la représentation. Donc ça, c'est au fond, quoi qu'on dise, et quelles que soient, disons, les positions plus ou moins aggravées ou dramatisées par la commedia dell'arte inévitable de tout débat historiographique, c'est quand même une position dominante. Et pour ma part, eh bien, même si je peux effectivement ici ou là professer, je l'ai dit, un rapport indiscipliné à ma discipline, lorsque j'ai tenté, et tu l'as rappelé, Françoise, ici même, de parler des fictions politiques en empruntant sans doute à Foucault, à Rancière, à Émile Apteur, ou même à des théoriciens plus récents de la littérature, comme Emmanuel Bouju, ben il s'agissait simplement de désigner des expériences de pensée qui inventent une politique à venir, avec cette idée qu'une fiction politique peut non seulement représenter une potentialité du devenir historique, un état de la mémoire contemporain, mais aussi faire l'expérience d'une politique à venir. Pour poursuivre sur notre discussion, c'est vrai que la Terre est bleue comme une orange, c'est une fiction, mais Aragon rappelait que cette fiction finira par devenir réelle lorsque l'orange va pourrir, elle va bleuir également, donc ça finira toujours par être vrai, et c'est ce qui se passe avec les fictions politiques. Parfois, elles ont de l'avance sur le réel historique. C'est ce qui m'avait, moi, personnellement, intéressé. Donc, je vous propose rapidement d'écarter, au fond, mon propos
de cette débat contemporain qui rabat toujours l'opposition entre histoire et littérature sur celle du rapport entre enregistrement documentaire et invention romanesque. Et si je suis heureux d'échanger avec vous aujourd'hui, c'est sur une autre base, celle que propose François Recanati dans son enseignement en cours. Je rebondirai volontiers sur cette question, et il l'a rappelé tout à l'heure, comme si, du tout se passe comme si. Ça m'intéresse parce que je me souviens effectivement que mon professeur d'histoire, on a comme ça des souvenirs fondateurs, m'avait dit n'écrivez jamais tout se passe comme si, parce que soit ça s'est passé, soit ça s'est pas passé. Et donc par définition, toute tentative de virtualiser l'histoire est une atteinte à la discipline. Et c'est vrai que cette question de ce que Freud a écrit une belle page sur la philosophie du comme-si dans l'avenir d'une illusion qui effectivement ramène le comme-si à la croyance d'une fiction, et que les doctrines, écrit-il, les doctrines religieuses, vu leur importance sans égale pour le maintien des sociétés humaines, eh bien on les appelle fictions, mais en vertu d'une nombreuses raisons pratiques, nous devons nous comporter comme si nous croyions à ces fictions. La question, c'est au fond, même si dans la pratique de l'histoire, ou plus actuellement dans l'opération historiographique, parce que c'est de ça dont je voudrais dire quelques mots, même dans l'écriture de l'histoire, si la tournure « tout se passe comme si » est un tic dommageable, ce qui est et ressort au fond de cette formule du déni qui est... psychanalyse le sait bien, le « je sais bien, mais quand même », »,« je sais bien qu'on ne devrait pas le dire, mais quand même, je le dis », la question, c'est est-ce qu'on peut s'empêcher, lorsqu'on écrit l'histoire, d'avoir recours au « comme si ». Est-ce que, d'une certaine manière, cette exigence morale de mon professeur d'histoire est tenable jusqu'au bout. Si vous considérez aujourd'hui le regain, non pas de la pratique, mais je dirais de la dignité épistémologique de l'histoire contrefactuelle, de l'histoire avec des si qui ne se contentent pas de dire ce qui fut, mais projettent ou imaginent ce qui aurait pu être, les futurs non advenus, qui se risquent même parfois, de manière prudente, aux mensonges volontaires où l'historien essaierait d'imaginer ce qui se serait passé si Louis XVI n'avait pas été reconnu à Varennes et qu'il avait vraiment quitté le royaume de France, ou si, au contraire, il n'avait pas songé à fuir. Même des narrations historiques les plus implacablement classiques, comme justement la fuite à Varennes de Mona Ozouf, implicitement, dans le fait même de produire un raisonnement historique, ne peuvent pas ne pas utiliser dans le raisonnement même et partout d'une certaine manière des comme si. Pierre Saint-Garavelou et Quentin de Luermoz ont montré que c'est en prenant au sérieux la nature scientifique du contrefactuel que l'histoire est travaillée par cette hypothèse, parce que c'est le travail permanent de la science que de poser des hypothèses, de construire des équations, d'en changer les variables dans des expériences de pensée, d'imaginer donc ce qui se serait passé si. Et tu parlais de l'histoire globale, le livre classique de l'histoire globale, La Grande Divergence de Kenneth Pomerantz, imagine d'une certaine manière un take-off en Chine, et comprend pourquoi il ne pouvait pas avoir lieu en Chine parce qu'il n'y avait pas de houille, etc. Bon, donc il y a bien d'une certaine manière dans l'histoire aujourd'hui, disons, confrontée non pas à l'histoire avec des si, mais à l'outil contrefactuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut citer effectivement Philippe Roth, mais tout en se demandant si le complot contre l'Amérique, c'était pas, alors là, justement, une fiction politique, parce qu'on l'a lu comme ce qui se serait passé si, mais en fait, ça allait se passer vraiment. Donc, c'est vraiment le sens propre d'une fiction politique. Et ce qui est intéressant, c'est avec, justement, la question de la simulation qui est, d'une certaine manière, intrinsèque à l'opération historiographique. Eh bien, l'histoire renoue à la fois avec sa part la plus scientifique et la plus littéraire. Et donc, elle se situe, à mon sens, à sa place exacte. On peut dire que la littérature fait de même, en tant qu'elle est
un laboratoire des quatre consciences. On peut dire que la philosophie politique fait de même lorsqu'elle a besoin de personnages conceptuels, au sens de Deleuze, pour lui donner la réplique. Dans le Léviathan, quand arrive le fou, c'est un adversaire redoutable. L'intrus de Hobbes, c'est un objecteur sceptique, un intercesseur de la philosophie, qui est quelqu'un à qui on doit répondre. C'est pas seulement donner la réplique, mais répondre. C'est pas, voyez, d'ailleurs, dans les dialogues de Platon, c'est la même chose. Hein, Calliclès, dans le Gorgias, qui fait du droit du plus fort son seul credo, ce n'est pas un sparring partner, c'est vraiment quelqu'un qui introduit la déraison ou la force dans la philosophie. Et Céline Spector a proposé un portrait de groupe saisissant de ces personnages conceptuels qui, au fond, débattent à l'intérieur même de la philosophie politique pour affronter de manière réaliste, pour faire des expériences de pensée avec la fiction, pour éprouver la raison. Et je trouve que dans la logique, j'écoutais avec passion tes premiers cours, les personnages conceptuels ne sont pas des adversaires difficiles. Ils se prénomment tous Jean, Pierre, ils font ce qu'ils ont à faire, et d'une certaine manière, ils n'opposent pas à la logique, y compris sur la question des personnages de fiction, une opposition, une contestation aussi radicale que la philosophie politique depuis le XVIIe siècle. Enfin, non, je viens de citer Platon depuis tout le temps, au fond, est habitué à orchestrer. Et en entendant les conférences passionnantes de Stacy Fuen, de François Recanati et les travaux de Françoise Lavocat, je me posais la question pour terminer sur ces personnages de fiction, avec l'idée que, mais c'est justement pour commencer à discuter, que eh bien, vos personnages de fiction sont des adversaires faciles. Parce que dire que Emma Bovary, bah évidemment, elle n'existe que dans la réalité romanesque, qu'elle est dans le réel mais pas dans l'histoire, ok. Sherlock Holmes, d'accord, on pourrait discuter, parce qu'il y a un moment aussi où l'histoire de la police scientifique, elle est quand même, d'une certaine manière, elle reçoit l'injonction, non seulement morale, politique, littéraire, épistémique, de Conan Doyle, mais on pourrait défendre l'idée que les personnages les plus productifs dans l'histoire sont des personnages de fiction, ceux qui ont fait le plus d'histoire. Prenez Arthur, l'Arthur de la matière arthurienne, et nous sommes bien ici dans la fiction politique. François, tu dis ceux qui lisent de la fiction croient que c'est de la fiction. L'imagination simule la croyance, et d'une certaine manière, si un chevalier lit de la matière arthurienne, il y trouvera une information fictionnelle qui représentera de manière parallèle, de manière compartimentée, son un monde imaginaire, mais ça ne guidera pas son comportement. Je pense que si. Je pense que, évidemment, si on ramène, je ne sais pas si Arthur est un personnage de fiction. C'est un personnage qui a probablement existé quelque part, mais dont la fiction a amplifié considérablement, évidemment, la portée historique. Et il agit dans l'histoire en tant que la fiction l'a amplifié. Et donc, je prends un exemple, je pourrais prendre plein d'exemples médiévistes, je ne sais pas, Robin des Bois, c'est la même chose, et encore une fois, je ne veux pas être méchant, hein, je ne veux pas être agressif, je pourrais dire Jésus. Hein. Donc, il y a quand même, on a affaire quand même en tant qu'historien à des adversaires plus difficiles que Sherlock Holmes. C'est-à-dire des personnages réels, sans doute,
ou pas nécessairement, mais le plus souvent quand même, qui ont eu une réalité et dont la productivité historique, je veux dire la capacité effectivement à changer non seulement les comportements, mais véritablement le cours de l'histoire, passe par une amplification fictionnelle. Alors on me dira que je fais le médiéviste et que je pourrais pas dire, je peux dire cela de Robin des Bois, mais pas de Charles de Gaulle. Mais j'en suis pas certain, parce qu'il y a un moment évidemment où, comme le dit Jean-Claude Passeron, les historiens, dans leur opération historiographique, ne font qu'user de semi-noms propres. Lorsqu'ils parlent de Robespierre, ils parlent de Robespierre en tant que le nom vous atteint, que si je vous dis à vous Robespierre, je ne vous apprendrai rien, et que votre imagination, d'une certaine manière, elle court tellement plus vite que mon discours que je ne pourrai jamais la rattraper. Et donc, si je veux faire aujourd'hui, mais c'est ce dont on parlait avec Jan Karski, si je veux faire aujourd'hui l'histoire efficace de ces personnages historiques, je dois faire aussi avec leur gang fictionnel. Et il est très, très difficile de séparer, de dissiper l'aura de ces noms propres qui, d'une certaine manière, dit, au fond, cette capacité qu'on peut avoir dans l'opération historiographique sans chercher nécessairement à, abattre la frontière, comme tu le disais, mais comprendre que la plupart de nos personnages nous viennent ainsi. C'est-à-dire que je serais bien en peine de vous dire, et ça vaut pour... j'ai fait une histoire de Saint-Ambroise, en longue durée. L'histoire de la force, de la souveraine, de la puissance, presque d'une certaine manière inentamée, d'un nom propre qui résiste à toutes ces instrumentalisations sur 1000 ans. Comment savoir si ce personnage est un personnage de fiction ou un personnage réel quand il a été tant de fois chanté, lu, commenté? Qu'est-ce que Aristote au Moyen-Âge? C'est bien plus et bien moins que l'Aristote historique. Et c'est avec tout ça, évidemment, que l'on doit discuter. Donc, au fond, si l'histoire fait comme si, et elle ne peut pas ne pas faire comme si, parce que je dirais que ça, l'opération historiographique l'amène toujours à produire ce qu'elle ne fera jamais en laboratoire, c'est-à-dire des expériences de pensée, elle doit aussi toujours prémunir de l'exorbitant privilège de la souveraineté irascible d'un nom et d'un nom propre, et que tous ces noms nous viennent effectivement avec une puissance fictionnelle dont on ne peut pas d'une certaine manière prémunir complètement. Et voilà ce que je voulais vous dire, enfin pour poursuivre ce débat, essayons de faire des personnages de fiction, des adversaires redoutables, des adversaires difficiles, des adversaires, des vrais troubles faits de notre désir qui est commun de mettre en ordre et dans l'ordre de la raison toutes ces questions. Merci. Merci. Bonjour, je veux remercier François Recanati et Françoise aussi pour organiser cette table ronde. Ok, je commencerai par distinguer deux sens du terme fiction dans le discours ordinaire. C'est quelque chose dont Pascal Angèle a déjà parlé. La première considère des fictions comme tout qui est irréel ou faux ou inventé. Cela peut inclure des choses qui n'existent pas, comme le Père Noël ou des fées, par exemple,
ou c'est des affirmations fausses, telles que les mensonges ordinaires ou les déclarations de plusieurs politiciens. Le contraste ici est avec la vérité ou la réalité. Mais il y a une autre utilisation du terme selon laquelle fiction signifie un type particulier de représentation, surtout des œuvres littéraires, dont on a parlé beaucoup, mais aussi les œuvres cinématographiques, je pense des pièces de théâtre, des ballets, il y a des peintures, jeux vidéo, etc. Le contraste ici n'est pas avec la réalité elle-même, les faits elle-même, mais avec un autre type de représentation, à savoir des œuvres de non-fiction, telles que des histoires, des biographies, des documentaires, des discours scientifiques, etc. Je m'intéresse ici, et je pense que tout le monde ici aussi, aux œuvres de fiction, je pense. La question qui nous occupe, c'est la frontière entre les œuvres de chaque catégorie, c'est-à-dire les œuvres de fiction et les œuvres de non-fiction, et pas entre les œuvres de fiction et la réalité. Okay? C'est pas ça. Cette frontière nous importe dans la vie ordinaire, je pense. Si je voyais dans le journal ce matin que des missiles nucléaires avaient été lancés sur Paris, je serais terrifiée, évidemment, et cette table ronde n'aurait pas lieu, j'espère. Mais si je regardais un film de fiction représentant la même situation, je réagirais très différemment, j'espère aussi. Nous critiquons généralement les auteurs de non-fiction pour avoir déformé certains faits que nous ne critiquerions pas dans la fiction. Cela dit, je suis d'accord avec William Marx que nous critiquons la fiction aussi, mais je pense qu'il y a quand même des différences là. Cependant, de nombreux théoriciens ont affirmé que la frontière entre fiction et non-fiction est soit inexistante ou soit du moins si poreuse qu'elle n'a que peu de signification. De nos jours, il est courant aussi d'entendre dire que la distinction est menacée par le fake news ou de la désinformation transmise via les réseaux sociaux. Je ne pense pas que cela soit juste. D'une part, certaines de ces déclarations reposent sur une confusion, je pense, entre les deux sens de la fiction, qui conduit à identifier comme fiction toute représentation fausse, y compris les tromperies. Un mensonge n'est pas une œuvre de fiction simplement parce qu'il est faux. D'autre part, plus importante ici, lorsque les théoriciens de la fiction nient ou diminuent la distinction entre fiction et non-fiction, c'est généralement parce qu'ils ont adopté des définitions problématiques de la fiction. Bien que je reconnaisse qu'il existe des cas difficiles à trancher à la frontière entre fiction et non-fiction, je pense que la classification de la plupart des œuvres est raisonnablement claire et robuste, tant que nous adoptons une conception assez sophistiquée de la fiction et de la non-fiction. Je n'ai pas le temps de discuter des différentes définitions de la fiction dans les différentes disciplines, donc je vais plutôt me concentrer sur l'approche la plus populaire de la philosophie analytique, dont François Racanati a parlé déjà. Selon cette approche, alors que les œuvres de non-fiction sont constituées d'affirmations qui invitent à la croyance, les œuvres de fiction ne font pas d'affirmation. Au lieu d'inviter à croire, ils invitent à faire semblant ou à imaginer, à faire comme si. En aparté, j'ajouterai immédiatement que cette approche s'inspire de la théorie du philosophe Kendall Walton, mais diffère de sa position.
Walton utilise le terme fiction pour désigner une catégorie beaucoup plus large des représentations en général et plutôt artistiques, qui comprend de nombreuses œuvres que nous classifions habituellement comme des cas clairs de non-fiction. La théorie plus limitée que je critique est défendue sous différentes formes par les philosophes tels que Gregory Curry, David Davies, Kathleen Stock, Peter Lamarck, Noël Carroll, sous la rubrique « Théorie des énoncés fictifs » dont Pascal Anger a déjà parlé. Il y a un problème évident à définir la fiction en termes d'imagination, c'est-à-dire que les œuvres de non-fiction, on a dit déjà, invitent également à imaginer de différentes manières. Par exemple, les œuvres narratives de l'histoire stimulent habituellement l'imagerie mentale, nous demandant d'imaginer à quoi ressemblait la vie d'un certain moment ou un certain endroit. Il s'agit d'une forme d'imagination compatible avec le fait de croire également tout ce qu'on lit. Ainsi, même si le recours à l'imagination est nécessaire à la fiction, cela ne peut pas être suffisant. Pour établir un contraste plus net avec la non-fiction, nous pouvons donc ajouter un critère supplémentaire. C'est ça que les théoriciens font. Que ce que l'on est censé imaginer n'est pas aussi quelque chose que l'on est censé croire. Ça, c'est l'autre critère le plus populaire. Le contenu de la fiction doit être inventé, ça c'est l'idée, mais sans intention de tromper. Ceci est censé être à la fois nécessaire et suffisant pour définir la fiction. Là encore, cependant, nous nous heurtons à une difficulté. D'une part, de nombreuses œuvres de fiction véhiculent des vérités sur le monde et ont l'intention de le faire. On peut en apprendre sur l'invasion de la Russie par Napoléon en lisant « Guerre et pays » et sur l'étiquette sociale de la régence anglaise grâce à Jane Austen. Il s'agit d'un contenu que nous sommes invités à croire. À vrai dire, le but de nombreuses œuvres de fiction est précisément d'inculquer des croyances. Réfléchissez à « The Jungle », »,« Le jungle », de Upton Sinclair, qui a révélé des conditions insoulables de l'industrie de la viande à Chicago au début du XXe siècle, conduisant à une nouvelle législation importante. Ou pensez au roman « Narratives of Empire » de Gore Vidal sur l'histoire des États-Unis, dont le but est de fournir une perspective alternative à la version de l'histoire que la plupart des Américains apprennent. D'autre part, de nombreuses œuvres de non-fiction nous invitent à imaginer ce qui est inventé. Par exemple, le documentaire « Valse avec Bachir » d'Harry Fulman sur la guerre entre Israël et le Liban est presque entièrement sous forme de dessins animés et comprend des séquences de rêves surréalistes qui ne prétendent pas être factuelles. De plus, les manuels de science regorgent d'invitations à imaginer des choses qui n'existent pas et que nous sommes censés imaginer par croire, comme des plans sans frottement, des masses ponctuelles, des modèles idéalisés, etc. Et toute personne familière avec les conventions de l'histoire ancienne, grecque et romaine, sait que les discours et les descriptions des batailles ont été inventés. Les annales et les histoires de Tacite abondent en batailles vives et discours d'une éloquence frappante dont nous ne sommes pas censés croire le contenu. À ce défi, deux réponses sont proposées par les philosophes qui définissent la fiction en ces termes. La première est de dire que leur définition ne s'applique qu'à certaines parties ou dimensions des œuvres. C'est pourquoi on les appelle théories des énoncés fictifs et pas des œuvres fictives. Ainsi, les œuvres de fiction peuvent inclure des parties non fictionnelles
et vice-versa pour les œuvres de non-fiction. La seconde, plus récemment défendue par Gregory Curry, est de relativiser la classification et de s'adapter aux standards contemporains de précision. Curry suggère que bien que les histoires de Tacite n'aient pas été fictionnelles pour les Romains, elles sont fictionnelles pour nous, car nous nous attendons à un degré de précision plus élevé. Ceci est cependant tout à fait invraisemblable, à mon avis. Bien que certaines œuvres comme Vase avec Bachir puissent défier la frontière, il n'y a jamais eu de controverses concernant les romans de Sinclair ou de Vidal, ou les manuels de science, ou les histoires anciennes grecques et romaines. Toute théorie selon laquelle Tacite écrivait de la fiction se trompe simplement sur le phénomène à expliquer. Mais il n'y a qu'une raison non plus d'en tirer la conclusion que défend le philosophe Derek Matravers, qu'il n'y a pas de différence importante entre fiction et non-fiction. Le problème avec les théories des énoncés fictifs, ainsi que de nombreuses autres définitions de la fiction que je n'ai pas abordées ici, c'est qu'elles désignent une ou deux propriétés qui ne concernent que les parties d'une œuvre ou une seule dimension d'une œuvre, et les traitent comme l'essence de la fiction. C'est parce que Matravers suppose la même chose qu'il tire sa conclusion sceptique. En conséquence, ces théoriciens font de la distinction entre fiction et non-fiction une question de degré plutôt que de nature. Ils envisagent une sorte d'échelle mobile de la fictionnalité. On aurait quelque chose comme les contes de fées d'un côté et, qui sait, je ne sais pas, les horaires de train de l'autre. Plutôt qu'une frontière bien définie, nous avons une vaste zone grise au milieu où la plupart des œuvres se révèlent être un mélange de fiction et de non-fiction. Il y a un meilleur moyen. Plutôt que de nous concentrer sur les parties ou les dimensions des œuvres, je propose que nous commencions par considérer les contextes plus larges dans lesquels les œuvres entières sont intégrées, en particulier les pratiques de lecture, d'écriture, d'édition, etc. Selon la théorie de la fiction que je défends, selon laquelle la fiction et la non-fiction sont des genres de représentation, dans un sens particulier, les œuvres de fiction et de non-fiction ne sont pas définies par des conditions nécessaires et suffisantes. Comme pour la plupart des genres littéraires ou cinématographiques plus familières et plus étroites, comme le roman réaliste ou le documentaire, la classification repose sur une variété de traits et de propriétés non essentielles, y compris des traits à la fois internes et contextuels. C'est-à-dire, les traits internes typiques de la fiction incluent la représentation des personnages et des événements invités, le fait d'avoir une structure narrative, d'inviter l'imagination, de déployer des dispositifs comme le discours indirect libre, etc. Les propriétés contextuelles inclut les intentions classificatoires de l'auteur et les pratiques contemporaines de réception. Dans cet esprit, nous pouvons dire que Tacite écrivait de l'histoire non fictionnelle plutôt que de la fiction parce qu'il entendait écrire l'histoire dans le cadre d'une pratique établie, reconnue par son public, un public pleinement conscient des conventions de l'écriture historique de l'époque. Ce qui est crucial, c'est l'intention de Tacite d'écrire un ouvrage historique plutôt que d'inviter à croire ou à faire semblant. Cela dit, les intentions peuvent être infructueuses, bien sûr. Les auteurs n'écrivent pas en vase clos. C'est pourquoi les pratiques contemporaines d'appréciation sont également pertinentes. Si les annales et les histoires de Tacite avaient été écrites au milieu du XXe siècle, elles auraient pu être classées comme fiction.
si Gore Vidal avait écrit quelque chose comme la série Narratives of Empire dans l'Angleterre du XVIe siècle, elle aurait bien été considérée comme non-fiction. Mais bien sûr, si ces auteurs avaient vécu à des moments différents, dans des endroits différents, ils auraient très probablement suivi des conventions différentes. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de lien particulier entre la fiction et l'imagination, le faire semblant, le fait comme si, ou d'autres traits identifiés par les théoriciens de la fiction? Ce n'est pas la conclusion que j'en tire. Je propose plutôt que les théories de la fiction ont mal compris le lien réel entre la fiction et l'imagination, par exemple en supposant qu'il existe un sous-type de réponse, celle d'imagination, qui concernerait toutes les œuvres de la catégorie de la fiction. Au lieu de cela, nous pouvons situer le rôle d'imagination en considérant son importance dans les pratiques de la production de la fiction, ou plus généralement de fiction conçue comme une institution. Je fais l'hypothèse que l'existence de ces pratiques peut s'expliquer au moins en partie par le but de permettre aux auteurs d'utiliser leur imagination créative d'une manière non autorisée par les conventions contemporaines de la non-fiction. Les créateurs de fiction et de non-fiction écrivent pour diverses raisons, divertir, instruire, persuader, et ainsi de suite. Ceux qui choisissent d'écrire de la fiction plutôt que de la non-fiction rejettent généralement au moins certaines conventions d'exactitude dans la réalisation de leurs objectifs. Parce que ces conventions changent avec le temps, ce qui compte dans la décision d'écrire de la fiction ou de la non-fiction change également. Le fait que les conventions changent ne signifie pas que la frontière entre fiction et non-fiction ne peut pas être maintenue. Étant donné que la distinction repose sur une variété de facteurs différents, y compris des considérations contextuelles, la classification de la plupart des œuvres n'est pas si difficile. Il ne s'agit pas de nier qu'il y ait des cas limites. Je placerai les pièces historiques de Shakespeare dans cette catégorie, ainsi que des œuvres les plus récentes créées intentionnellement pour être classées dans les deux sens. Mais ces cas sont loin d'être nombreux lorsque nous avons une théorie plus sophistiquée de la distinction entre fiction et non-fiction. Merci. Donc, dans les 15 minutes qui me sont imparties, je vais essayer de caractériser la période actuelle dans l'histoire mouvementée de la fiction, que j'envisage non pas comme un progrès continu dans son acceptation et ses développements, mais plutôt comme une suite de périodes d'essor et de déclin. L'hostilité à l'égard de la fiction ne désarme en effet jamais tout à fait. Or, la situation actuelle, à mon avis, est confuse. Elle est marquée par un paradoxe et par des tendances sociologiques contradictoires. Alors, le paradoxe, à mon avis, est que l'essor des théories de la fiction, depuis les années 80, a fragilisé la fiction. Alors, je ne fais bien sûr pas le procès de ces théories, celles de Dorit Cohn, de Thomas Pavel, de Genette, de Ryan, de Schaeffer, de Delegel, etc., parce que j'en revendique l'héritage. Elles ont marqué la fin des théories formalistes de la littérature, que vilipendait d'ailleurs William Marx dans l'Adieu à la littérature en 2005, fin des théories formalistes que j'ai moi aussi célébrées. Mais elles ont eu des conséquences inattendues, ces théories de la fiction. Pour les caractériser par un raccourci, dans les années 70 ou 80, on s'ennuyait ferme avec les 31 fonctions des actants des contes de fées selon propre. En 2017, on s'inquiète ou on s'indigne avec Sarah Hall, cette mère de famille s'insurgeant contre l'enseignement aux enfants de La Belle au bois dormant. La condamnation des contes de fées au nom des critères moraux ne date pas d'aujourd'hui.
mais plutôt justement des années 70 dans l'orbite des études féministes. Mais il y a indéniablement à cet égard un regain de la critique, un élargissement de son audience et un relatif consensus quant à sa pertinence. Il n'y a rien de nouveau au fait de soumettre les fictions à des standards moraux qui, bien évidemment, sont changeants. Mais les impératifs axiologiques se sont appesantis par rapport à la deuxième moitié du XXe siècle, où les œuvres, alors exclusivement littéraires, étaient surtout envisagées à travers leur valeur poétique et souvent leur dimension transgressive. C'est un tout autre consensus qui s'est installé. C'est en 1999, la même date de la publication que d'Olé Gel ou de Pourquoi la fiction de Jean-Marie Schaeffer, que le CSA s'est pour la première fois doté en France d'outils pour promouvoir la diversité à la télévision. Le projet de loi du 17 février 2022 relatif à la communication audiovisuelle égrène des mesures allant dans ce sens, comme la chasse aux stéréotypes, je cite, qui concerne aussi bien le choix des personnels et le déroulement de leur carrière que les personnages, je cite, dans les fictions, les feuilletons et les téléfilms. Il ne fait donc de doute pour personne qu'un monde fictionnel à la télévision doive représenter la société de façon souhaitable, pour la satisfaction du public et son éducation. Je ne dis pas que ce ne soit pas le cas, je pense que cette question est ouverte, mais je souligne seulement un puissant retournement. Dans le champ académique, le tournant moral a été accompagné par la promotion de la lecture ordinaire, notamment par Thomas Pavel en 86 dans l'univers de la fiction, par l'intérêt porté à l'apprentissage par les fictions, Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ? D'autres ont considéré que la fiction permettait l'entraînement à l'empathie ou à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la faculté de deviner les pensées d'autrui, qu'elle curait les traumatismes. Alexandre Geffen, dans Réparer le monde, en 2017, a souligné la très grande popularité de cette idée. Les fictions sont donc censées être utiles pour l'individu, pour la société, voire l'espèce humaine. Même s'il y a débat à cet égard, la grande majorité des théories évolutionnistes sur la fiction estiment que celle-ci, la fiction, est apparue dans le champ des activités humaines essentiellement pour conserver et transmettre des connaissances. Or, ces hypothèses, évidemment, ne rendent absolument pas compte de la spécificité de la fiction, car on ne voit pas pourquoi un texte factuel n'accomplirait pas cette tâche aussi ou plus efficacement qu'une fiction. Enfin, plus personne ne considère le personnage comme un être de papier ou comme, disait Barthes, un produit combinatoire, et il y a lieu, à mon avis, de s'en réjouir. Mais est-il pour autant une personne ? Même en envisageant exclusivement le pôle de la réception. Pour les partisans du gossip theory, la théorie du commérage, nous serions curieux des histoires des personnages, exactement comme de celles qui arrivent à nos voisins. Ils habiteraient notre imaginaire de la même façon que les personnes réelles qui sont mortes et que pour cette raison, on ne peut rencontrer. Il en découle qu'il n'y a alors aucune différence d'un point de vue pragmatique entre personnages historiques et fictionnels. Blackie Fermel, dans Why Do We Care About Literary Characters, en 2011, soutient cette thèse, par exemple. Qu'en est-il alors du propre de la fiction ? Si l'attention ne se porte ni sur la forme, ni sur la sémantique, ni sur l'ontologie de la fiction, ce propre de la fiction s'évanouit, et c'est pourquoi j'avance que maintes théories actuelles de la fiction en ont fragilisé les frontières et le statut. Qu'en est-il maintenant si l'on observe quelques-unes des pratiques, des usages contemporains de la fiction ? Entérine-t-il l'effacement des frontières de la fiction ou signale-t-il leur renforcement ? On constate, à mon avis, l'existence de tendances contradictoires qui concernent aussi bien la question des frontières que le statut de la fiction elle-même, c'est-à-dire l'estime dans laquelle on la tient, la place qu'elle occupe dans les activités d'un très grand nombre de personnes. D'une part, en effet, notre époque est marquée par un appétit des faits, pour les faits. C'est le titre d'un petit livre qui se veut un manifeste de David Shields en 2010, Reality Hunger,
traduit assez platement en français par « besoin de réel » en 2016. Shields soutient que le lien avec la réalité, factuelle ou psychique, produit un effet incroyablement plus fort, qui compare d'ailleurs à une décharge d'héroïne, que la fiction. Il ne fait aucune différence entre fiction, non-fiction, mensonge, fake news, dans la mesure où seul compte, à son avis, le choc émotionnel. Ce parti pris fait partiellement écho au présupposé qui s'exprime dans un site de grande audience que j'ai un peu étudié, History versus Hollywood, dont l'objectif est de passer au crible un grand nombre de films en pointant ce qui est inspiré du réel et coïncide avec lui et ce qui est fictionnel. Cet examen ne concerne pas seulement les docufictions ou les films historiques, mais toutes sortes de films, horreur, gangster, sport, guerre, drame, etc., comédie, musique. La révélation des liens avec la réalité est systématiquement présentée comme la promesse d'un plaisir supplémentaire. La supériorité des histoires factuelles sur les récits purement imaginaires est toujours soulignée. Par exemple, pour les comédies, genre pour lesquels on pourrait penser que la référentialité n'est pas essentielle, il est indiqué « tout le monde sait que la vie réelle est souvent plus drôle que la fiction ». Le savoir n'est pas essentiel, il est secondaire par rapport aux émotions. Ainsi, l'empathie à l'égard d'un personnage en danger de mort est dite accentuée s'il s'agit d'une personne, si on sait qu'il s'agit d'une personne ayant réellement existé. Les articles consacrés au film donnent souvent à voir une galerie de photographies mettant en regard les personnes réelles et leur contrepartie filmique. La concordance entre la réalité et la fiction est donnée à admirer comme une preuve de l'habileté du cinéaste ou des acteurs et sûrement en vertu d'une profonde satisfaction suscitée par le fonctionnement du miroir mimétique. La dévalorisation de la fiction est encore plus explicite chez des auteurs qui opèrent explicitement une distinction entre fait et fiction. Dans HHHH, en 2010, Laurent Binet estime qu'au regard de la gravité de son sujet, l'assassinat de Heydrich par d'héroïques résistants tchèques, l'invention serait indigne. Un métadiscours omniprésent fait état de ses scrupules et même de sa honte, je cite, dès qu'il a la tentation de faire appel à son imagination. Son attitude méfiante à l'égard de la fiction ressemble au mépris de Paul Valéry pour l'arbitraire des romans. Heureusement, dans ses romans ultérieurs, Laurent Binet a pris le parti de la fiction. Ce n'est pas le cas d'Édouard Louis, auteur exclusivement d'autofiction. Au souvenir d'une interview de Le Clésio, vue dans son enfance à la télévision, il exprime un violent dégoût, je cite, « face à l'invention romanesque. La fiction est frivole et mensongère, parce qu'elle ne représente pas les conditions de vie de la classe ouvrière. » Selon l'anthropologue Jacques Goudy, la fiction est un produit de luxe comparable à la culture des fleurs qui suscite périodiquement haine et rage de destruction quand la misère frappe une trop large proportion de population. Édouard Louis semble lui donner raison. Ennui chez Shields, honte chez Binet, dégoût chez Louis, voici la triade qui anime aujourd'hui le réquisitoire contre la fiction. Pourtant, le domaine de la fiction n'a jamais été aussi vaste. Extension du domaine de la fiction, disait François Recanati tout à l'heure. Ni sa place dans les vies aussi large. Selon une enquête internationale sur la relation aux personnages que je suis en train de réaliser, sur un panel d'à peu près 500 personnes, surtout françaises, américaines et chinoises, 25% d'entre elles disent absorber plus de 100 fictions par an. Certaines avancent le chiffre de 500, voire de 700 fictions par an. Ces chiffres très élevés s'expliquent par le remplacement, confirmé par mon enquête, de la lecture par la consommation de produits audiovisuels. Or, le visionnage de séries télévisées induit aussi un allongement de l'exposition à la fiction. On peut rappeler que la lecture d'un livre, à raison de 300 mots par minute, se compte en heures. 10 pour Jeannère, 11 pour Crime et Châtiment, 63 pour Harry Potter. Pour une série télévisée, le temps requis se compte en jours et en mois, à raison de 8 heures par jour. Il faut un peu plus de 9 jours pour voir Game of Thrones, 11 pour Lost, 63 pour Enquête spéciale. Une telle durée d'exposition induit nécessairement une familiarité avec les personnages qu'aucun autre média
ni forme de fiction n'a jamais atteint. Maintes pratiques témoignent de la massification des jeux et des activités qui visent à mêler le plus possible les personnages de fiction aux vies réelles. Les fanfictions, le cosplay, concernent des communautés très nombreuses. Les conventions, qui sont des réunions à thème de personnes déguisées en personnages, le cosplay, réunissent chacune tous les ans, de par le monde, plus de 150 000 participants. Vivre avec les personnages ne se limite pas au déguisement. Avec les jeux appelés « dating sims », les jeunes gens, surtout les jeunes filles, engagent des relations amoureuses avec des personnages animés par des intelligences artificielles. Par le shifting, technique d'autosuggestion, d'auto-hypnose, très à la mode en ce moment, des jeunes filles, car ce sont en grande majorité des filles, de même d'ailleurs que les auteurs de fanfiction, tentent de se persuader qu'elles sont elles-mêmes des personnages et essaient de se transporter dans un monde de fiction, de préférence d'ailleurs celui de Harry Potter. Ce type de rapport à la fiction peut être mis en relation avec la prolifération actuelle des métalepses, quand un personnage rencontre dans une fiction son auteur ou ses lecteurs, dans les romans, les films, les séries, les bandes dessinées et les mangas. S'il n'est pas certain que toutes ces pratiques ludiques manifestent un brouillage de la frontière entre fait et fiction, certaines y procèdent indubitablement, comme le phénomène également très récent de fanfiction qui se développe à partir de personnes réelles, traitées exactement comme des personnages. Vous connaissez peut-être le best-seller After, fanfiction écrite par une certaine Anna Ford à partir d'un chanteur, d'un membre d'une boys band. Il est vrai qu'il s'agit souvent de personnes qui sont déréalisées par leur exposition médiatique. Donc le rapport à la fiction, pour conclure, est toujours clivé, repose sur un déséquilibre aux polarités changeantes. Les théories formalistes privilégiaient celui de l'immersion et de la distance critique, martelée à l'envi, le rappel de l'inhumanité des personnages. Notre époque, dans les théories comme dans les pratiques, privilégie le pôle inverse. Les générations actuelles, entraînées à cohabiter avec des personnages, déclinent l'immersion fictionnelle sous des différentes formes et poussent celle-ci aussi loin que possible. Mais la préférence pour la factualité ne s'en exprime pas moins, aussi bien dans les médias de grande diffusion que chez des écrivains au public plus restreint qui se disent animés par une haine virulente à l'égard de la fiction, peut-être d'ailleurs comme une marque de distinction. Le tri des faits et de la fiction est aussi devenu une activité ludique, et c'est bien l'empire du jeu qui est une des clés de la compréhension de notre époque. Extension du domaine de la fiction et goût pour la factualité coexistent, et les jeux d'aujourd'hui consistent aussi bien à redessiner sans cesse les frontières qu'à s'ingénier à les passer. Alors, comment faisons-nous ? Discutons-nous entre nous ? Ouvrons-nous les questions à la salle ? On peut faire un peu les deux. Un peu les deux, alors 10 minutes, si... Où on peut mélanger une question de la salle, une question. Oui, Pascal, Angèle. Oui, j'ai une question et en même temps une suggestion, je ne sais pas si elle vaut quelque chose, pour Patrick Boucheron et puis pour Stacy Friend en même temps. Quand vous parlez du « comme si », bien sûr, il y a un sens de « comme si » et des contrefactuels qui fait qu'on se dirige vers des contrefactuels qui sont très loin du monde réel. Il peut y avoir des personnages historiques, mettons Gilles de Rais, par exemple, qui sont très loin du Gilles de Rais historique. À ce moment-là, évidemment, on n'a pas de difficulté à distinguer la réalité et la fiction. Mais il y a d'autres contrefactuels qui sont très proches du monde réel. Par exemple, si je vous dis à propos de Roland Barthes qui se fait renverser par une voiture de laundry, comment est-ce qu'on dit en français pardon ? De blanchisserie. Une voiture de blanchisserie, il s'en est fallu de très peu que Roland Barthes ne soit pas renversé. On n'a pas besoin d'aller dans un monde contrefactuel très loin. La voiture aurait pu passer à un mètre
au lieu de le renverser. Et comme ça, avec tout un tas d'événements du monde réel, c'est simplement des énoncés causaux. Il a été renversé. Ça signifie que dans tous les mondes qui sont proches du monde réel, il y a... Alors, ça m'inspire l'idée suivante. Est-ce que ça ne serait pas là que serait la distinction entre une imagination qui est proprement proche de la croyance, c'est-à-dire quand on est très près du monde réel, et une imagination qui s'en écarte et à ce moment-là qui atteint un élément fictionnel. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant, je crois, d'évoquer les romans de Jean Echenoz. Le Ravel ou bien le roman sur Zatopek, Courir, ça se présente en fait comme vraiment des biographies. Ça raconte vraiment les 10 dernières années de la vie de Ravel. Pourtant, sur la couverture, il est écrit roman. Donc, il peut y avoir un usage de la fiction qui nous approche. Et donc, je voudrais suggérer que peut-être il y a quelque chose comme, dans les contrefactuels, une échelle. Et ma question, c'est comment est-ce que cette échelle dans les contrefactuels, comment est-ce que cette dimension de comparaison, on pourrait la mesurer ? Est-ce que c'est possible ? Oui, en fait, j'ai aucune idée comment mesurer cette distance, mais je pense que vraiment, ça n'a... Je voudrais dire que ça n'a rien à voir avec le contraste entre la fiction et la non-fiction. Et la raison, c'est que, par exemple, si on fait l'histoire contrefactuelle, l'histoire quand les historiographes, je ne sais pas le mot, les gens qui font l'historiographie, quand ils le font, c'est pour un but de comprendre l'histoire. Oui. On change une chose importante pour voir si c'est vraiment ce qui a fait à eux les effets importants dans l'histoire. Mais quand on fait des fictions aussi contrefactuelles, comme la septième fonction de langage de Laurence Binet, par exemple, c'est pour une autre raison. On ne fait pas, en ce cas, pour comprendre l'histoire. Ce n'est pas fait par les historiens. Et je pense qu'on peut utiliser les contrefactuels qui sont proches ou loin dans les deux disciplines, par exemple. Et on ne fait pas plus de fiction, moins de fiction. Ce n'est pas comme ça. Donc, la différence, c'est l'intention. C'est l'intention de celui qui... C'est pas uniquement l'intention, mais l'intention, c'est important aussi. Oui, oui, je suis d'accord. Effectivement, là, vous parliez de contrefactuel à grand spectacle. On peut pas penser aussi à Quentin Tarantino. Donc là, effectivement, il y a une histoire qui déraille, enfin, qui prend une autre tournure très brutale et très violente. Mais on parlait aussi, chacune et chacun d'entre nous, à notre façon et avec, d'une certaine manière, de ces petites différences, de ces petits contrefactuels qui font l'inévitable travail, par exemple, pour une historienne ou un historien qui écrit l'histoire ou qui la raconte, on attend toujours de lui ou d'elle qu'il éprouve, je dirais, la solidité des liens causaux. Voilà. Et pour ce... effectivement, tester les différentes possibilités, enfin voilà, à chaque moment, ce qui était possible. Et tout n'est pas possible à tout moment pour tout le monde, évidemment. Et donc, c'est vrai que, d'ailleurs, cette question-là, puisqu'on vit aussi dans des univers fictionnels, cette question-là du contrefactuel, je pense qu'on y est particulièrement sensible depuis 2 ans, ayant vécu, finalement, au gré de l'information épidémiologique qui ne cesse de manier des contrefactuels comme des expériences de pensée, parce qu'on ne saura jamais, au fond, ce qui se serait passé si on avait confiné une semaine plus tôt, même 3 jours plus tard, etc. Tout cela, effectivement, crée des conditions d'une expérience de pensée qui est socialement contrôlable, d'ailleurs. Intervenir, je voudrais revenir sur la question du comme-si. Il me semble qu'il faudrait distinguer 2 comme-si, en vérité. Il y a le comme-si sur lequel nous venons de parler, à savoir le comme-si
de l'histoire ou d'une intrigue contrefactuelle hein, qui reprend effectivement un élément très différent de la réalité. Enfin, genre Philip Roth, etc. Les nazis gagnent la guerre et tout se passe différemment. Et puis un autre comme si dont nous avons parlé, c'est le comme si lorsque nous lisons une œuvre de fiction avec l'idée, je crois qu'il est soutenu par François, à savoir que lorsque nous lisons une œuvre de fiction, nous mettons dans un autre sort de rêve, nous faisons comme si cela existait. Ce qui me frappe quand même en comparant les deux comme si, un qui est thématisé en quelque sorte dans le roman et l'autre qui est en fait fonctionnel pour la fiction, le roman, c'est qu'ils ont des conséquences émotionnelles assez différentes, me semble-t-il. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un comme-si contrefactuel, on est sans cesse renvoyé à l'idée qu'on n'est pas dans la réalité et que les choses sont très très différentes. Lorsque nous lisons une fiction, disons, normale, où le comme-si n'est pas thématisé de manière contrefactuelle, effectivement, alors je suis totalement opposé à au discours qui a été évoqué par Françoise, enfin, ce n'est pas ton discours à toi, mais c'est le discours de ce site, History versus Hollywood, etc., à savoir l'idée qu'une fiction ne provoquerait pas, ne serait pas capable de provoquer une émotion aussi forte que la réalité. À mon sens, dans mon expérience personnelle, moi je dirais que pour moi ce serait plutôt l'inverse, mais je suis peut-être un cas exceptionnel, mais je pense que beaucoup de gens lisent des romans précisément parce qu'ils découvrent dans les romans des choses qui peuvent correspondre à des choses qui existent dans la réalité, mais qui dans la réalité auxquelles ils n'ont pas accès, mais qui leur révèlent en fait un type de réalité et qui leur donne l'émotion qu'ils ne pourraient pas avoir nécessairement. Et pour Aristote, c'est la même chose. Dans la tragédie, ce n'est pas une quasi-pitié ou une fausse pitié ou une fausse crainte qui est éprouvée par les spectateurs. C'est une vraie crainte et une vraie pitié avec des conséquences particulières. Donc je crois que les émotions provoquées par la fiction ne sont pas du comme si. Ce sont de vraies émotions et qui sont plus fortes souvent que celles qui sont provoquées par le réel. Et que le comme si thématisé, lui, au contraire, aurait tendance, il doit y avoir sans doute des exceptions, mais aurait tendance plutôt à mettre à distance plutôt l'émotion. Et juste pour préciser, quand je disais le comme-si, c'est aussi un comme-si d'opération historiographique, c'est-à-dire le quasi-nom propre, ça veut dire, par exemple, les généraux de Napoléon, la bourgeoisie française, le Sénat à Rome. Et évidemment, c'est quand même assez rare aujourd'hui qu'un historien professionnel écrive « La bourgeoisie française pense que », mais qu'il y ait Je sais bien, mais quand même. Je sais bien que c'est pas vrai, mais quand même, l'histoire s'écrit comme ça. C'est-à-dire avec des personnages de fiction qui sont des collectifs indistincts, des noms imparfaits. Hein. Ça a été la pratique de Pierre Bourdieu, quand même, dans une partie de sa sociologie, qui consiste à dire tout se passe comme si. Oui. Et c'est une pratique explicative, mais qui n'est pas toujours empiriquement prouvable, en vérité. Voilà. Oui, je voudrais rappeler que si un résultat intéressant pour nous a été apporté par les neurosciences, c'est tout de même d'avoir soumis des sujets à des scénarii factuels et fictionnels et constaté que ce n'étaient pas les mêmes zones de mémoire qui étaient sollicitées. La mémoire épisodique, donc liée à soi, à ses propres souvenirs, à ses connaissances sur le monde, mais à soi, c'est ça qui est très important quand même, je pense, est sollicitée par les scénarii factuels et la mémoire sémantique sollicitée par les scénarii factuels, fictionnels. Donc, évidemment, ça paraît très simplificateur, mais il y a nombre d'expériences qui vont dans ce sens-là. Et donc, on ne peut pas parler de quasi-émotions, à mon avis. C'est des émotions qui sont très probablement différentes, localisées en tout cas, dans des zones différentes du cerveau. Et je pense que dans beaucoup de cas, le mélange de fait et fiction vise à combiner ses plaisirs, à combiner ses activités, à jouer sur les deux tableaux. Et ceci depuis très longtemps. C'est d'ailleurs une question que je voudrais poser à Stacy. Mais Stacy, tu voulais dire quelque chose peut-être? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la différence de mémoire, parce qu'il y a
aussi d'autres expériences qui disent qu'on crée les représentations mentales quand on lit la fiction, qui sont dans la mémoire épisodique et les émotions aussi, parce qu'on a une expérience de la fiction et on répond affectivement. À mon avis, ce n'est pas la même chose. En fait, je ne suis pas d'accord que ce sont les mêmes émotions exactes. Je pense qu'il y a beaucoup de différences entre les deux cas. Mais la différence n'est pas entre la fiction et la non-fiction en général. La différence est entre les choses qu'on croit et les choses qu'on ne croit pas. Parce qu'il y a des choses dans la fiction qu'on croit. Et comme ça, on répond avec les émotions. Et les choses dans la non-fiction qu'on ne croit pas. Mais je pense que ça, c'est la différence. Cependant, dans l'expérience en question, les deux énoncés étaient invraisemblables. C'était vous êtes invité à dîner avec Cendrillon, vous êtes invité à dîner avec George Bush à l'époque où George Bush. Il était peu probable que les sujets pensent vraisemblable de dîner et avec l'un et avec l'autre. Mais ça activait effectivement des réactions très cérébrales très différentes. Oui, je suis d'accord, mais la différence là, c'est qu'il y a une personne réelle et une personne qui n'existe pas. Ça, c'est une grande différence, c'est ce oui, que je mais ce n'est pas la même différence que entre la fiction et la non-fiction, parce qu'il y a des choses qui n'existent pas dans la non-fiction et les choses qui existent dans la fiction. Et je pense que ces expériences qu'Anna Abraham a faites, je pense qu'elle a mélangé les deux choses, à mon avis. Comment dire ? Enfin, je ne sais pas si c'est juste cette phrase-là qui devait susciter une émotion. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la littérature. Pour T.S. Eliot, il y a l'idée de l'objectif correlative, c'est-à-dire c'est au terme de tout un processus, il faut construire un roman complet pour avoir une fiction. Il ne suffit pas de dire « je vais mettre ma projection, je vais dîner avec Cendrillon » pour avoir l'émotion. Donc, c'est sûr que George Bush et Cendrillon, là, sont... Tu ne peux pas faire des expériences d'IRM avec un livre, ce n'est pas possible. Hein. C'est beaucoup... J'ai pas dit ça, j'ai parlé de scénarii factuel et fictionnel. J'ai pas parlé d'un roman opposé à un document, bien sûr. Je voudrais revenir un peu sur la question que j'avais évoquée au début quand j'avais parlé de mythes, et je pense aux deux exposés qui viennent d'avoir lieu. Donc, Patrick Bouchon parlait du cas de l'amplification fictionnelle et de la gangue fictionnelle qui caractérise un certain type de discours portant sur des personnages historiques qui sont passés au mythe. Donc il y avait l'exemple d'Arthur, mais aussi Jésus, et on peut les multiplier. Et c'est vrai que dans ce type de cas, on ne peut pas nier que même si ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on se représente des individus, disons, ordinaires, non mythiques, il y a quand même des formes de croyances qui interviennent, et il y a une sorte de... peut-être pas forcément de continuité, mais on est quand même dans le domaine de la croyance. Ce n'est pas le cas avec les personnages de fiction, si on prend notre point de vue contemporain sur la fiction. Les personnages de fiction, c'est autre chose, et l'attitude mentale ne semble pas être de l'ordre de la croyance. Mais en fait, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un cadre théorique où on a, disons, trois types de cas, c'est-à-dire peut-être les cas, disons, ordinaires, des cas qui ne sont pas vraiment ordinaires, où la tradition joue un rôle, où on sait que ce n'est pas vrai au sens ordinaire, mais on croit quand même qu'il y a une vérité, on met les choses un peu entre guillemets, et donc c'est ce qui se passe typiquement pour les vérités mythiques, disons, enfin les choses qu'on sait, mais qui ne sont pas de l'ordre des vérités ordinaires. Et le domaine fictionnel, où ce n'est pas de l'ordre de la croyance, où c'est un domaine complètement différent. Est-ce que vraiment on doit avoir quelque chose de ce genre, comme catégorisation, ou est-ce qu'en fait on a un seul continuum, que tout ça est de l'ordre de la croyance, et que ce n'est pas vrai que la fiction se trouve, disons, ailleurs, et qu'il faut séparer la fiction du mythe. Et de ce point de vue-là, je me demandais, par rapport à Stacy, à ton approche multidimensionnelle, qui dit qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'il y a toutes sortes d'éléments qui se combinent plus ou moins, et une fois qu'on a une image assez riche de la situation, on peut voir que certaines formations se situent du côté fiction, d'autres du côté non-fiction, quand bien même il semble que
il y a aussi des points communs, et tu mentionnais Tacite comme un exemple de ça. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a une différence importante entre le mythe et la fiction, à la lumière de cette approche multidimensionnelle? Oui. Oui, je pense qu'il y a une différence, mais peut-être pas dans le... Quand on pense des mythes maintenant... Non, j'ai un micro ici. Quand on pense des mythes maintenant, on les traite comme les fictions la plupart du temps, les choses que nous reconnaissons comme mythes. Mais évidemment, au début, mais on pense que les Grecs, peut-être, ils ont des croyances. C'était comme une religion avec la croyance et tout ça. Je pense que c'est la différence. Mais maintenant, il n'y a pas beaucoup de différence pour nous. Nous les traitons différemment, mais je pense que nous reconnaissons que ce sont des différents genres de représentation, parce qu'il y avait des gens qui ont cru qu'il y avait ces dés et déesses et tout ça. Et ça, c'est la différence. Les mythes ne sont pas la même chose, mais nous traitons les mythes comme les fictions maintenant quand nous reconnaissons qu'ils sont des mythes, je pense. C'est une question pour l'historien. Est-ce qu'il y avait des fictions à l'époque où ces mythes étaient vivants et faisaient l'objet de croyances? Est-ce qu'il y avait des choses que nous... Est-ce qu'il y avait à l'époque une distinction? Quand est apparue la fiction au sens contemporain? C'est ça ma question. Tu as raison, en fait. La question que posait Paul Vane, qui est une question sans réponse, hein, les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Effectivement, voilà, c'est une question qu'il est utile de poser, mais dont on ne peut pas attendre de réponse, en fait. Mais parce que c'est... Voilà, pardon pour la banalité, mais ces textes nous viennent... sans leur mode d'emploi et le régime de croyance qu'ils suscitaient. Au fond, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut, mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, tu prends un autre personnage de fiction intéressant au Moyen-Âge et très actif, et qui a produit plus d'histoires qu'un personnage réel, le prêtre Jean. Le prêtre Jean, on ne sait pas, au fond, comment les... médiévaux imaginaient son mode d'existence, puisqu'ils semblent le chercher partout, mais quand ils ne le trouvent pas, ils ne sont pas déçus de ne pas l'avoir trouvé. Et donc, à la fin, on se dit, sans doute que le royaume de prêtre Jean avait une existence réelle, sincère, intense, dans l'ordre fictionnel, ou plus précisément dans l'ordre utopique, au sens propre, c'est-à-dire comme expérience de pensée. Comme si, et si un roi était aussi prêtre, et si on l'installait quelque part sur la terre, on simule le fait qu'on va le chercher, mais quand on ne le trouve pas, on n'est pas si déçu que ça. Et donc il y a quand même une historicité, une épaisseur. N'oublions pas aussi que nous avons des personnages, Charlemagne par exemple, est un personnage réel. Enfin, on se souvient qu'il est un personnage réel jusqu'au moment où la fiction est tellement puissante qu'au XIIe siècle, franchement, je ne crois pas qu'il y ait eu quelque part en Europe quelqu'un qui puisse faire la distinction entre Charlemagne et Arthur. Ils étaient plongés dans la même indistinction fictionnelle. Il était devenu un personnage de roman. Et quel personnage de roman ? Effectivement, c'était le Charlemagne de la chanson de Roland était infiniment plus puissant et plus présent que cette forme évanescente, ce souvenir presque effacé du Charlemagne historique. Et puis ensuite, il revient. Et donc, c'est pour ça que c'est une question de genre aussi. Parce qu'on ne peut pas croire sérieusement que chevaliers qui naissent à la conscience d'eux-mêmes au moment où ils pleurent sur le cadavre de Roland, puissent croire ça vrai aussi sûrement qu'ils pensent vrai le fait que les paysans leur doivent des redevances. Mais s'il n'y avait pas cette fiction, les paysans ne leur donneraient pas de redevances.
Mais quand même, quand on défend la thèse selon laquelle la fiction dépend des genres, ou bien quand on dit qu'on ne sait pas très bien exactement qui était Charlemagne ou par rapport à Arthur, est-ce que, pour répondre à la question qu'a posée Françoise Lavocat au début, est-ce que ça ne revient pas à dire qu'il n'y a pas de vraie frontière entre ce qui est fictif et ce qui ne l'est pas, et donc de la relativiser au type de genre dans lequel on se trouve? Et à ce moment-là, c'est un peu décevant d'aboutir à cette conclusion qui n'était pas celle que notre directrice voulait nous faire donner.